Shine a light, just feel the pulse and clap together. Shine tonight, Christmas light, it's Christmas in the air. You feel it in your body, you feel it in the air. There's something quite exciting, there's magic everywhere. It's a celebration of light, and it's an invitation to ignite. A holiday of fantasy, a holiday of fun, holiday of fun, a holiday of
energy for everyone. Whether it's sunny or a hearty day of snow, celebrate and dance together and let it go. Decorate the tree. Decorate the tree. Kiss under the mistletoe. I'm going caroling. Once a season, we all unite. We all unite. Celebrating all day and night. A holiday of fantasy. A holiday of fun. A holiday of candy canes and cheer for everyone. Whether it is sunny or a holiday of snow, celebrate and dance together and let it go. Valar et Max se sont assis. Ils paniquent, ils n'ont rien géré, comme d'hab. Mais Hubert amène un kebab. Leurs avis sont aléatoires, leurs histoires sont des prétextes pour boire. Des prétextes pour boire, pour boire. Leurs invités ont des déboires, à tout moment ça parle du rinoir. Mais si on est là, c'est qu'on doit le vouloir. Bien sûr, ça plante, mais ils sont pas à l'heure. Mais ils ont des capsuleurs. Prêt pour l'apéro. Prêt pour les cahuètes, les chips, la bière. Où les débats sont chauds, et l'alcool est la seule prière. Prêt pour l'apéro. La bière, c'est pire que Pascal Pro, Pascal Pro. Les arguments, c'est la misère. Oh yeah, prêt pour l'apéro. Hey, et ça fait gling gling. Ils sont dans la place. Dès qu'elle se plante, ils s'en foutent plein dans la face. Ils prennent tous le verre, ils se servent l'air, ils boivent tous comme des trous. Ils sont dans le même état qu'après le loup-garou. Bien sûr, ça plante, mais ils sont pas à l'heure. Mais ils ont les capsuleurs. Prêt pour l'apéro. Prêt pour les cahuètes, les chips, la bière. Où les débats sont chauds, et l'alcool est leur seule prière. Prêt pour l'apéro. Prêt pour les cahuètes, les chips, la bière. C'est pire que Pascal Pro. Les arguments, c'est la misère. Oh yeah, prêt pour l'apéro. Et hey, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Il y a chaud. Et Max, allez tous à poil. Bonsoir. Je vais poser mon téléphone sur mon clavier, moi. Vous allez bien? Bonsoir Valar, bonsoir Parcurien. Ça va. Ça fait longtemps que je n'ai pas quitté. Ah oui. Ça fait plaisir de vous retrouver ce soir après une petite pause d'une semaine pour moi. Vous faites beaucoup de bien. Oh. On peut faire un petit point chiffre. Merci beaucoup parce que vous êtes de plus en plus à nous suivre. Oh, ouais. Merci Valar pour ton sub. C'est mon 20e mois d'abonnement. Waouh. Vous êtes de plus en plus à nous suivre sur Twitch. C'est très très sympathique. Et en plus de ça, vous êtes aussi de plus en plus à regarder les replays sur YouTube. Et ça, c'est encore plus sympa. Et continuez. Ce qui est encore plus sympa, c'est qu'ils sont de plus en plus à être abonnés.
Et ça, mais... c'est bien. La tunasse. Continuez à vous abonner. Comme ça, je pourrais... On est sur un label et l'apéro spécial ASMR Max qui bouffe. Ça faisait longtemps, ça vous dérange. Ça fait très longtemps. Non, mais c'est bien. Après, comme ça, ça gonfle le score d'engagement sur YouTube et des gens qui nous insultent dans les commentaires. J'aime bien. Tu sais ce que j'ai à manger ? J'ai ça. J'ai que ça. Ah oui, oui, vas-y. Vas-y. Oh, je vais te faire juger si je fais ça. Moi, je suis au Fanta Citron. Parce que j'ai pas fait les courses et que j'ai rien dans le frigo. Je suis sur une Secret des Moines. Une bière blonde triple Secret des Moines. En fait, c'est un pote qui avait ramené ça un jour. Et on n'a jamais ouvert la bouteille. Sauf que depuis le temps qu'elle est là, bah, je me suis dit, tiens, je vais l'ouvrir. Et tu sais ce que c'est le plus gros secret des moines ? C'est le chaussée ? Non, c'est le fait que t'es le secrétaire de l'assaut. Oh, oh, il est méchant ! Oh, bah oui, bah c'est comme ça, c'est le label apéro. Pich, petit taquet. Alors. Et vous avez fait quoi de vous ? Un secret ? Est-ce que vous voulez un secret ? Non. Vous voyez peut-être. La porte là-bas ? Ouais. Bah, en fait, ouais. Il ferme pas, c'est pour ça qu'il y a un tabouret devant. Voilà. Secret de fabrication. Mais dis donc, tu rien, c'est tout rangé ton bureau ? Bah, ça se voit pas trop, mais oui. Non, mais bah, sinon, c'est rangé en fait. C'est juste que, ouais, effectivement, c'est une porte qui ne ferme pas. J'ai jamais compris pourquoi, quand je suis arrivé dans cette maison, je me suis dit, cette porte, je sais pas ce que j'en fais, je la dégage, je la repeins, je bouche les fenêtres ou quoi. Et en fait, le problème, c'est pas tant ça, c'est le fait qu'elle ferme pas. Valar, qui s'en fout ? Moi, ça m'intéresse. En vrai, la remplacer par un rideau. Non, mais j'aime bien le fait qu'il y ait une porte. Je trouve ça cool. Il faudrait qu'elle ferme. La prochaine fois, on fera un live chez IKEA. On fera un live chez IKEA, ça pourrait être sympa. Bah ouais. Mais j'adore IKEA. Faut vraiment qu'on fasse un truc avec IKEA. Honnêtement, quand j'étais étudiant, le IKEA d'Orléans est près de la fac. Et ben, avec Ophélie, on se fait le meilleur repas boulette le midi. Oh non, putain, voilà. Oh, c'est pas cher! C'est vraiment pas cher. C'est 4-5 euros, non ? C'est ça ? À l'époque, ouais, c'était quasiment ça. Je me moquais pas, j'étais une fast-route. En plus, avec la carte IKEA Family, t'as le café gratuit. Tu rien ? Qui s'en fout ? Non, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Je suis dans le... un rendu, tu vois. Donc là, on est d'accord qu'on est sur un label et l'apéro spécial IKEA. Exactement. On va quand même dire bonsoir aux gens. Bonsoir, Filmo. Bonsoir, McAllister. Bonsoir, Jiraya. Bonsoir Céline Tink. Bonsoir Sam Terra. Bonsoir Pierluigi. Hey, salut Paul Louis. Dites, si je fais ça, ça fait quoi? Ça fait chier Max. Hein. Moi, ça me fait rien en fait. Parce que tu réapparais, c'est tout, tu vas te remettre au même endroit. En fait, et par contre, les gens ne t'entendent plus normalement. En fait, ce qui est chiant, c'est si tu déco. Et que tu reviens avec un autre lien, ça c'est casse-couille parce que... Non, c'est bon, parce qu'en fait, s'il se déco et qu'il revient, c'est le même lien qui fonctionne. Et heureusement. Il change de navigateur. Oh, les bonnes idées, attends, bouge. Et ben après, je vais te dire, il va se faire foutre. c'est bien, c'est un bon j'ai début. J'ai très très peur à ce que tu as dit, Filmo. J'ai vu le début de ta phrase, j'ai vu la fin et... je peux faire la fin que tu as écrite. Salut, good car. Alors Max, c'est quoi le programme aujourd'hui, à part insulter Curien ? Oh bah ce soir on va faire un petit, parce que on s'inspire des meilleurs, on va faire un petit point réhab, on va regarder la citation de Tonton Walt, et puis on va faire un petit point actu, parce que c'est le c'est le podcast, c'est le live de début de mois, donc on va faire un podcast, un live actu. J'ai entendu qu'il y a un podcast un peu chelou qui s'appelle Rien qui pensait, qui nous a piqué le concept. De mais faire des points actu, des points réhab. C'est pas un podcast sur le bois, ça ? Rien que dit poncet. Mais oui ! Mon Dieu ! Mais c'est la galéjade aujourd'hui, hein ? C'est ça, sur la galéjade. Bon, alors du coup, je te propose qu'on... J'ai pas le shit sous les yeux parce que j'ai envie de PC. Alors, tu peux prendre ton téléphone. Je vais commencer par le petit point réhab. Vas-y, le point réhab. Et ben... tu nous fais le jingle du point réhab, occasion ? Techniquement, j'ai chanté c'est le point réhab, mais le truc, c'est que... Ouais, du coup, ça marche pas. Super. Bonsoir, donc, Antoine. Dans le point réhab, on a la mauvaise nouvelle de l'année. BTM qui ferme le 1er avril. Qui rouvre le 1er avril, pardon. Enfin... Non, putain.
Et pourquoi c'est une mauvaise nouvelle, Max? On ignore que rien, il est pas non. là. Mentalement, alors, il n'est pas là. C'est ce que pour l'instant, nous avons supposé. C'est qu'on n'a pas de visibilité au-delà du mois d'avril, donc on suppose que... Non, si. On a une visibilité jusqu'au mois de mars, en fait. Jusqu'au mois de mai, voilà. C'est ça le problème. Excuse-moi, mais j'ai préparé l'OBS, je n'ai pas préparé... Ah, mais je te le dis, on a vu. On a préparé, Maxime. Non, vous avez noté qu'aujourd'hui, il y avait de la musique différente que la semaine dernière. Parce que même moi, la semaine dernière, quand j'écoutais le live et que j'ai attendu pendant environ 20 minutes que rien fasse son réglage à la con de navigateur, et ben je me suis moi-même saoulé à m'écouter chanter. Oh, tu n'étais pas le seul. Je crois que tout live peut témoigner qu'ils en avaient ras le cul. Hein. Donc en fait, BTM va fermer un bon mois. Et en fait, voilà. Je pense qu'il y aura pas de retour de fumée pour autant, et puis il y aura pas de coup de Karcher non plus. J'ai envie de te dire que pour moi, la fumée, c'est même plus attendu, en fait. Moi, ce qui me manque dans BTM, c'est pas la fumée, c'est coup de Karcher. C'est l'orange, en fait, parce que pourquoi c'est gris? Ok, c'est Nicolas gris, Sarkozy. Eh, c'est par Kyrien Sarkozy, non? C'est toi qui... Il attend qu'une seule chose, c'est les coups de Karcher. Alors que toi, t'arrêtes pas. Mais c'est vrai que si vous avez la chance d'aller à DLP, la montagne est dégueulasse. Ah oui, je l'ai vu samedi, incroyable, c'est affreux, c'est la première fois où ça me marque autant de voir un truc qui n'est pas orange mais vert. D'autant plus quand il fait pas beau en fait, parce que ça ressort pas, ça fait une sorte de masse grisâtre, c'est un peu dégueulasse. Et bonsoir Florian Téléga. Ensuite, au niveau des couvertures, on a... Fermeture, j'ai rien compris au shit. Je vous envoie un message en privé, n'hésitez pas à le lire, mais à ne pas le lire. Alors, il y a Curien qui dit, dites, vous croyez que vous êtes croyable. Non, ne le lis pas. Ils vont appeler Nicolas Sarkozy. on a aussi vous comme fermeture les pick-ups du 27 mars au 7 avril et les Riverboat Landing qui ferment le 3 mars et qui ne rouvrent pas pour l'instant. Ça fait chier. Et c'est quoi le Crush et Dumbo le 17 mars? C'est une ouverture ou une fermeture? C'est une ouverture. Ils sont fermés actuellement. Okay. On rappelle hein, ce fameux move incroyable de fermer en même temps BTM et Crush. Mais c'est pas un problème, c'est sur deux parcs différents. Pardon. Ah, c'est les deux seuls coasters familiaux du resort, quoi. Donc il y a un truc qui fait un peu chier, c'est que pour la soirée PA, on n'aura ni les Riverboat ni BTM. Oui, peut-être pour la soirée PA, il y aura rien. Il y aura Phantom. On peut dire qu'ils nous ont bien menés en bateau. Il n'y a pas moyen de faire des petits sons de criquet, tu sais, le petit son de criquet un peu gênant là. Non, ça c'est toi qui mange les cacahuètes, je vois pas la différence. Oh, attends. Ah bon, c'est pas un des élèves de Max là? Tu sais, les élèves de Max, il dit toujours. Ouais, les élèves. Oh, ils ont grave les élèves de Max. Mal des élèves de franchement, il n'arrête pas, hein. C'est incroyable. Écris dans le chat, c'est un élève de Max. On salue les élèves de Max. Non, plus sérieusement, ça fait chier parce que pour la soirée PA, ils veulent célébrer les Landes et Frontierland sera quasiment vide. Pas de BTM, pas de Riverboat. En gros, il y aura Phantom Manor. En plus, Adventureland de nuit, tu sais pas ce qu'ils vont y faire. Ouais, c'est pas le bon move, je trouve. Je sais pas, moi, tu célèbres les Landes. Pour moi, c'est obligatoire d'ouvrir T'es sûr que le Riverboat est fermé? Moi, je vois fermeture à partir du 3 mars. C'est ce que j'ai marqué sur des... Ok, je peux checker en direct si tu veux. Bastard, il est fermé de toute façon, le Molly. Oui, parce que quelle bonne idée de fermer un magnifique. Mais non, même pas. Oui. Le village de Pocahontas, c'est plus le village de Pocahontas, Filmo. Non. Ils ont enlevé Grand-mère Feuillage et. C'est Frontierland Playground, non. Grand-mère Feuillage et. Ah si, ils l'ont enlevé définitivement ou Si, ils l'ont enlevé définitivement. Maintenant, c'est le Frontierland Playground. Ouais. Autant enlever un petit peu d'âme à ce truc qui était déjà à moitié mort. Après, ça n'avait pas grand sens. Hein. Ça faisait un petit peu regardez au fond des westerns, on n'a qu'à mettre les Indiens et un peu glissade. Alors, vous allez rigoler, j'ai fait une erreur en fait. Les Riverboats, c'est pas le 3 mars qui ferme, c'est le 3 avril. Je me disais. Hein. En fait, c'est juste que je sais pas lire un planning. C'est pas pour autant que. Pour une fois que c'est pas Max qui l'a fait, celle-là. C'est pas pour autant que le Riverboat sera ouvert à son PA, vous verrez. Non, c'est vrai que c'est pas sûr. Ouais, non, ils nous ont pas encore mis la liste des attractions. On a eu le... mais tiens, on n'a pas fait... C'est pas prévu dans le programme, un petit point sur le programme de la soirée PA? J'aurais aimé avoir les attractions, quoi.
Bah, le problème, c'est que... On a le truc qui est lisible. Je peux envoyer l'image, si tu veux, Max. Alors, tu peux l'envoyer, s'il te plaît, sur le compte qu'il y a sur le Shadow. Ah, donc, okay. Pour se situer, on a je suis pas ami avec ce compte. Est-ce que tu peux m'envoyer un message? Bien sûr, pas de souci. Pour situer, je fais le contexte. On a... Il y a Florent Tega qui me demande si on a préparé le live. Oui, bah, comme d'hab. Alors, vraiment, on a préparé le live. Hein. C'est juste que... En fait on a... Il y a Valar qui prépare le contenu. Il y a Max qui prépare un peu la technique comme il peut. Et à la fin, il y a personne qui se met caler, en fait. En fait, on a eu un problème aussi, c'est que Twitter est actuellement dead. On ne peut pas ouvrir de liens qui proviennent de Twitter. Et du coup, tout mon joli Google Sheet avec les liens, avec les actus, et, bah, ne sert à rien. Du coup, c'était un peu la panique à bord quelques minutes avant le live. Du coup, on va bricoler ça... comme d'habitude, mais on peut pas utiliser. Valar, est-ce que tu peux inviter le compte Discord de Non, Geeky? Je peux pas, j'ai pas les accès actuellement. Ou alors faut que je me débrouille. Tu fais chier, bordel. Mais dans tous les cas, ça sert à rien parce que la news vient de Twitter et vous pourrez pas ouvrir un Non, mais j'ai une image, Sinon, je me le serais pas permis. Pour le programme de la soirée. Je peux déjà d'ores et déjà vous dire que au niveau des restaurants, vous avez le Hakuna qui ferme à 23h30, le Café Hyperion à 1h30 et le Market House Deli à 2h. Donc en gros, on va essayer de manger avant la soirée. Ça va être compliqué parce que. Je pense que le bon plan c'est de manger au Annette, hein. Ou de manger au DV. Hein. C'est fait. Tu vois, Valar, vous arrivez tôt, tard pardon. Donc c'est chiant. C'est fait. Ouais, c'est pas le groupe. Oh, ok, bon, c'est pas grave. J'ai improvisé. Tu préfères un lien peut-être? Non, l'image c'est bien. Ouais, donc il n'y a pas beaucoup de restaurants ouverts, donc il faudra manger tôt. Et on n'a pas. Ouais, l'idéal c'est vraiment d'essayer de manger avant la soirée si vous pouvez. Et si vous pouvez pas, bah tant pis. Sinon, vous pouvez manger un burger froid à l'Hyperion, c'est pas mal. Ouais. Ou. Il est ouvert le Hakuna? Oui, jusqu'à 23h30. Bah, il faut bien rentabiliser les nouveaux plats du Hakuna avec des portions familiques. Ah, mais du coup, vu qu'il y a deux restos plus le Market House, que je considère pas vraiment comme un resto, ça va être bien d'axe. Hein. Ça va être la bon courage. Bon courage, les gars. Pourquoi il n'y a que deux restos d'ouvert? On est sur un petit scandale, là, non? Ouais, bah, c'est compliqué de voir le chalet. Ou le cookout. Et s'ils ont prévu un peu de pyro, un truc comme ça, ben le chalet, c'est pour ça que je parle du cookout. Ou du attise, tu vois, à la limite. C'est pas terrible, mais au moins, tu peux. Ouais, il y a Céline Tink qui parle du Five Guys en entrée. Je pense que c'est la meilleure idée. Hein. Et pour bien scaler et pour... Même la Kuna qui ferme à 11h30, c'est tôt. Hein. Bah ouais, parce que ça veut dire qu'à partir de minuit, t'as plus que le Hyperion, quoi. Market House. Donc voilà pour les restos. T'as pu afficher l'image ou pas? Oui, elle est actuellement sur. Elle est illisible cette image. Ouais, je vais la lire parce que j'ai bien zoomé dessus. Je vous fais les spectacles. Donc en ouverture, on a l'aventure commence maintenant à Central Plaza à 21h05. Ensuite, on a un spectacle direction Vidéopolis. Max, tu vas nous en parler. Qui s'appelle Disney Classics Celebration, une célébration des grands classiques Disney des années 90. Tu nous expliques. Tu un peu peux ce que en c'est parler ouais. Sans trop spoiler, vu que je l'ai pas vu. Alors, c'était un spectacle je crois, la fin des années 90, juste avant Mulan, sur une musique des compositeurs de l'époque. Est-ce que ça va être le même spectacle? On ne sait pas. En tout cas, c'est le même nom et qui reprenait en fait tous les tubes qu'il y avait à l'époque de Disney, donc Le Livre de la Jungle, Mary Poppins, puis je crois peut-être même Le Roi Lion. Bah, vu qu'ils disent que c'est quelque sur chose 90, qu'on... quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Le Roi Lion, c'est quelque chose qu'on voyait très très peu. Hein. Qu'on voit très très peu actuellement. C'est drôle ça, parce que... Bref. Non, mais en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il parle vraiment d'un truc qui célèbre les classiques des années 90, tu vois. Donc là, ce que tu me dis, Le Livre de la Jungle et Mary Poppins, bah pas trop. Alors, c'est peut-être, ce sera peut-être un nouveau show qu'ils ont créé en prenant un spectacle... Très originaux, genre. Je pense que ce serait bien de faire un spectacle où tu mets, genre, Le Roi Lion, La Belle et la Bête... Aladdin. Ouais. Et pourquoi pas? Un truc que je trouve qu'on voit très très peu. Non mais en réalité, en plus, c'est, tu vois, ça c'est le côté un peu négatif. Si on est positif,
Mais j'ai un peu peur d'être déçu en me disant ça. C'est que tu peux imaginer aussi un truc qui se base sur les années 90 avec du Tarzan, du Mulan, du Bossu et du Pocahontas, par exemple. Au niveau musical, c'est très bien. Il y a de quoi faire. Ah, et Pocahontas, c'est un excellent film en plus. J'aime beaucoup. Si vous ne connaissez pas Pocahontas. Bizarre, c'est... Le thème de la soirée, c'est on célèbre les langues, non? Bah ouais. Je. Donc. Je ne sais pas trop. Enfin, c'est l'aventure plutôt qu'on célèbre les langues. Ouais, l'aventure, ouais. Et alors, alors c'est un spectacle qui c'est une soirée qui de base avait été faite pour avant le Covid. Donc, ouais, avant le Covid, en fait, il devait y avoir le spectacle C'est Magique qui devait être fait à Vidéopolis qu'on a eu au final lors de la saison des 30 ans. Lors de la soirée des 30 ans. Donc est-ce qu'au final ils ont pas été pris un petit peu de cours en se disant on va pas remettre un spectacle qu'on a déjà mis il y a un an, la dernière soirée passeport annuel c'était il y a un an, et au final on va prendre un truc des années 90 qui n'a peut-être pas de lien avec le thème. C'est un peu con parce qu'on n'a pas 18 spectacles non plus, parce que donc on enchaîne The Jungle Book Jive, We're on Our Way. Au final, elle était trop contente. Pardon. Jusqu'à ce qu'elle voit que c'est au théâtre du château. Et effectivement, retourner au cœur de la jungle, mais au théâtre du château, parce que c'est vraiment là où ça dit le cœur de la jungle. C'est bien, c'est bien d'avoir enfin un show au théâtre du château. Alors, le souci, Max, c'est que les shows au théâtre du château en soirée, J'ai souvenir de Halloween où c'était l'enfer, quoi. Enfin, les gens se battaient. Moi, j'ai fait une séance où on m'a dit « il n'y a plus de place ». J'ai fait une séance où les gens se sont engueulés pour se lever et s'asseoir. Et finalement, il y avait la moitié des gens qui étaient assis, la moitié des gens qui étaient debout. Et du coup, si tu étais assis, tu ne voyais rien. Et en plus, moi, j'étais assis genre sur les genoux, je me suis défoncé. Donc Nagla nous racontait la séance qu'il a vue lui où les gens étaient à deux doigts de se taper dessus. La séance que j'ai faite il y a un an, c'était quoi? C'était le livre magique de Mickey. On est arrivé 10 minutes, un quart d'heure avant le spectacle. Ils avaient quand même dû fermer parce qu'il y avait trop de monde, mais on avait de l'espace autour de nous. Mais après, c'est que tous les gens en fait étaient agglutinés au devant de la scène, donc vers la régie, vers la scène surélevée, enfin les gradins, pardon. Il y avait beaucoup moins de monde. Par contre, ça râlait aussi parce que à chaque fois, il y a toujours des gens qui s'assiedent sur la bordure du parterre de fleurs. Et bien en fait, quand tu es debout devant ces gens-là, et ben les gens derrière ils voient plus. Mais si les gens se mettent debout sur le parterre de fleurs, ben ça gâche aussi la régie. Non mais vont se massacrer pour y aller. Hein. Ça va être le bordel. Et en plus, tu vois, nous, à Halloween, vraiment, on y était arrivés. Je te dis, c'est pour ça aussi que j'ai une frustration, c'est qu'on s'était vraiment placé. Comme on a été refusé à la séance d'avant, il ne nous en restait plus qu'une. Mmh. On s'était placé, je crois, 40 minutes avant, tu vois. Donc, ce qui fait chier sur une soirée à Cher. Salut, Julie, comment disent. Et du coup, tu vois, tu te retrouves à attendre 40 minutes pour mal voir un show. J'espère vraiment pas être déçu là, tu vois. Ça va qu'il est, il a 5 représentations et les soirées passées annuelles sont généralement beaucoup moins chargées que les soirées Halloween. C'est 4 en général. Je sais pas. C'est 4 en général. Enfin, tu vois, l'année dernière, chaque show était fait 3 ou 4 fois. Ouais, mais là, elle est plus longue la soirée. Hein. Finit à 22h. Oui. Pas, à 2h du mat, pardon, pas à 1h. L'année dernière, elle finissait à 1h du matin. Ouais, avant, c'était toujours 1h. Donc là, ils l'ont fait un peu plus longue, ce qui est plutôt cool. Alors après, j'étais un peu surpris de voir qu'il y avait moins de shows que l'année dernière. Mais au final, il y a l'ouverture, il y a deux shows et puis le spectacle de fin. Donc l'année dernière, il y avait l'ouverture, il y avait Delight, il y avait Rêvon et le monde s'illumine de nuit, il y avait un show à Vidéopolis, il y avait un show sur le tas du château ainsi qu'un show sur le château. Et le tout, plusieurs fois en fait, donc il y avait déjà deux shows de plus. Ouais. Ouais, c'est chiche. Hein. Mais, c'est chiche. Mais en contrepartie, on en discutait sur le Discord.elevate.com. On en discutait, c'est que t'as toute la partie interaction avec le QR code et puis le téléphone. Ouais, après, l'interaction, ça se fait avec un QR code, comme tu dis. On sait comment c'est, les serveurs ADLP, si jamais ils sont chargés, il y a des gens qui après, peuvent pas profiter du. Alors, partons positif. Les serveurs, je pense. Max, est-ce que tu peux faire attention avec ton micro, s'il te plaît, tapes beaucoup dedans. Le truc avec les. Pour les serveurs, je m'en fais pas trop, Valar, parce que c'est une soirée passe annuelle. Une soirée passe annuelle, t'as 6000 personnes. Normalement, avant, c'était comme ça, je sais pas si ça a changé. 6000 personnes, c'est pas beaucoup à Disney. Hein. À Disneyland Paris, une journée moyenne où tu vas avoir l'impression que c'est faible, ça va être 25 000, tu vois, dans ces eaux-là.
Donc, sur le resort. Là, c'est 6 000 sur un parc. Et donc, dans les faits, c'est pas énorme s'ils sont restés sur ces nombres-là. Vu que ça a été sold out en une journée, je pense qu'on peut s'attendre à ce que ce soit peut-être entre 6 et 10 000, tu vois, s'ils ont augmenté. Et je pense que les serveurs devraient tenir. Maintenant, il faut voir que si c'est de qualité et machin, tu vois. Enfin, déjà, en plus, tu sens qu'ils font la feinte. Et il faut que le téléphone soit chargé au maximum. Vous en aurez grand besoin au cours de la soirée. Alors, moi, il y a un côté déjà où tu me dis, tu fais une soirée, bah, en fait, tu ne savais pas, mais le téléphone, il va être primordial dedans. Va falloir scanner un QR code qui sera sur ton bracelet, parcourir les landes à la recherche d'indices et de décors, les attractions. À la recherche d'indices dans les décors, les attractions, et en échangeant avec les maîtres des landes. Donc, je pense qu'il y aura des personnages un peu exclusifs qui eux vont mettre en valeur les landes, ou les personnages Disney. Ces indices vous permettront de déduire le mot code de chaque lande. Serez-vous assez nombreux pour résoudre l'énigme finale? Énigme finale qui sera donc a priori révélée / résolue dans le show final à 1h45. Puisqu'on te dit que c'est la révélation finale. Aurez-vous trouvé le mot code final pour remporter l'aventure à Central Plaza? Ouais. Donc, je viens de mettre un rappel sur mon Google Home, me préparer des batteries externes. Ouais, je pense que qu'on en a besoin. Si t'as 100%, ça dépend de ton téléphone, mais je pense que ça fera le taf quand même. Ouais, j'espère. Il y a McAllister qui nous dit un truc hyper intéressant. Il nous dit que en 2020, cette soirée était vendue comme une animation des Landes à découvrir plutôt que les shows habituels des soirées PA. Et ouais, effectivement, je pense que c'est pour ça qu'ils nous mettent moins de shows que d'habitude. Et il dit 6 000 de sources internes, m'a-t-on dit. Ok. Ouais, okay. C'est toujours 6 000 hein, généralement. Donc, ok. Donc, ça devrait être assez praticable. En fait, le souci quand tu as 6 000 personnes, c'est que si sur les 6 000, tu en as 3 000 qui vont voir un spectacle, c'est le bordel dans le spectacle. En fait, t'as beau avoir pas grand monde dans le parc, ça suffit. En fait. Ouais. Ouais, c'est sûr. Bon, j'espère que ça va être bien. Ouais, on est. C'est ma première. J'ai assez hâte. Bah, celle-ci est un peu spéciale, tu vois. Enfin, c'est un peu étonnant. Quand je vois le planning, j'ai un peu peur, honnêtement. Je me dis que, tu vois, enfin. Alors, il y a toute la question autour de pourquoi JBJ au théâtre du château. Pour moi, ça me semble assez évident. C'est que si tu l'as fait sur Central Plaza, déjà, c'est un peu chiant en termes de logistique. Mais en plus, d'avoir un show sur Central Plaza toute la soirée. Et en plus, ça va appeler la comparaison avec le vrai JBJ. Alors que là, si tu le mets au théâtre du château, tu peux te permettre de faire un truc un peu différent qui sera probablement moins ambitieux, avec moins de performeurs. On ne sait pas exactement ce qu'il y aura dedans. Mais ça semble assez évident, excusez-moi, que ce soit au théâtre du château. Pour ces raisons-là, donc voilà, c'est comme ça qu'on le justifie. Maintenant, le truc, c'est que finalement, en fait, dans le parc, tu auras un spectacle, quoi. Et après, le reste, c'est la Videopolis. Il faut voir ce que ça donne au niveau des animations autres. J'ai un peu peur que ça fasse un peu mort. Et c'est dommage parce que c'est un des points forts des soirées, c'est qu'il y a ce côté un petit peu... Est-ce qu'il y a prévu des rencontres personnages? Je crois qu'ils avaient communiqué dessus. J'ai vu passer... Des rencontres, non, mais il y aura des personnages qui vont donner des informations, crois. Donc, je pense que ça remplacera les rencontres perso, j'imagine. Bon, en fait, le truc, c'est que le jeu de piste en lui-même, il a intérêt à être costaud, quoi. Parce que ça veut dire 6 000 personnes, 6 000 fans de DLP. Si tu dis aux 6 000 personnes des indices qui sont assez faciles, ça va vite tourner en rond, quoi. En une heure, on aura fait le tour. Dans l'autre sens, tu vois, si c'est très chiant, ça va être juste pénible, en fait. Ouais, c'est un cul de la Xbox, quoi. Le problème de ce genre de truc, c'est que si tu fais un truc un peu dur, un peu machin, tu vois, enfin, les gens risquent d'être juste frustrés, quoi. Ouais. Max, arrête de faire du punching ball avec ton micro. En fait, oui. D'accord, pas de souci. Oh, Max. Ouais. Bon, on verra bien. De toute façon, je pense qu'on fera un retour dans le prochain label apéro. Non. Max? Il y a le trésorier de l'association qui m'a appelé, il m'a dit qu'il voulait que tu rembourses le micro vu que t'es un connard. Du coup, je veux bien un micro. Alors, je suis attends. Pas dans l'assaut, mais je veux bien un micro. Moi, j'ai demandé, parce que j'étais à DLP pour les gens du chat, j'étais à DLP samedi, et avec Nagla,
donc le président de l'asso, et on a demandé au trésorier s'il pouvait nous filer la carte bleue ou un truc comme ça pour qu'on puisse faire un review sur l'auberge de son rayon, donc utiliser intelligemment les sous de l'auberge de l'association, des dons Patreon. Il nous a envoyé nous faire foutre. Hein ? Et par curien. Sinon, je suis pas dans l'asso, mais je veux bien un micro. Envoyer des sous sur le Patreon et donner des sous sur Twitch pour qu'on... Excusez-moi, j'ai un coup de fil. Oui, allô ? Oui. Que Max aille manger ses morts. D'accord. Voilà. Quel acteur ? Oui, voilà, c'est un trésorier et a priori, t'es assez vénère. Il m'a dit, de toute façon, moi, si jamais je débloque des fonds, c'est pour aller dans un parc bien, pas à Disneyland de Paris. Franchement, on a autre chose à foutre. Du coup, on peut dire qu'un label apéro, il n'y a pas d'insulte, c'est rare. Donc, un label apéro ou gain d'insulte, c'est courant. On peut dire que this is the way. C'était trop long. Avec Mando. C'était. Ouais, ça va, on tente. On tente. Ouais, run your way. Je suis ni juste. Il y a McAllister qui dit donc les shows en 2020 devaient être joués directement et de façon plus intimiste et non programmée par les performeurs dans chaque land. Dès qu'on aura la même chose. On verra. Après, ouais. j'ai toujours des trucs. Enfin, désolé, en fait, McAllister, c'est pas que je ne crois pas en ce que tu dis, c'est juste que les soirées, ça fait partie de tous ces trucs. C'est comme les saisons parfois où on te vend ça. Les gens en interne te vendent ça, et finalement, t'arrives et t'as ça, tu vois. J'ai toujours cet exemple, on le ressort régulièrement, mais on nous avait vraiment vendu la soirée Marvel du parc Walt Disney Studios comme « Oh, c'est vraiment à pas rater, il y aura des trucs incroyables dedans et tout. » On était chaud patate, et en fait, c'était à chier. Et voilà. C'est un petit peu... Bon, la saison du Roi Lion et du La Jungle était vraiment incroyable. Mais on a ils nous ont quand même vendu pendant plusieurs mois le show du Roi Lion. Alors qu'au final, ce que les gens à chaque fois attendaient le plus et ce qui a le plus fait parler, ça a été le show de La Jungle. Et ce qu'ils ont décidé de garder sur le long terme dans ce fucking parc de merde, c'est le show du Roi Lion. Bah après, c'est un petit peu compliqué de foutre parce que le show de la jungle, ce qui faisait sa spécificité, c'est vraiment Central Plaza, les musiciens qui arrivaient depuis le château et puis tout le bordel. J'avoue que foutre ça à Noël et puis à Halloween, c'est un petit peu compliqué. Mais oui, par contre, je suis d'accord avec toi, à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre, ils pourraient foutre putain de show qu'est JBJ. Show incroyable. Mais après, on va parler des spectacles un peu plus tard, je crois. Non, c'est prévu. Bien sûr. Je sais pas si les critères sont de retour. Non, toujours pas, il me semble. Parce que j'en ai chié. Non, je check régulièrement et toujours pas. Ça marche pas. C'est super. Bon, alors, est-ce qu'on a d'autres sujets? N'hésitez pas à dire à vos copains qui ne sont pas sur Twitter de venir nous rejoindre sur le live, parce que c'est cool. Pour la soirée PA, il y a un truc qu'on n'a pas, c'est les attractions. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas la liste des attractions, c'est étonnant. Ça a été beaucoup teasé qu'on aurait potentiellement, peut-être, si on a de la chance, de la Terre à la Lune. C'est pas officiel, c'est des rumeurs. Ouais. Et si mais tu l'as pas, ce sera de la Terre sur ta Lune. Hein. Non, mais en plus. C'était insistant. On avait déjà les rumeurs pour 2020. On l'avait déjà pour l'anniversaire de. Tout à fait, je les ai eu aussi à l'époque. Et, puis aussi en 2020, en 2022, il y avait des rumeurs qui avaient tourné en 2022, comme quoi ça aurait dû revenir pour la saison des. La soirée des 30 ans. Ouais, c'est pour ça. Rumeur un petit peu un fox. C'est un peu une arlésienne, et puis j'ai un peu l'impression. Oui, en fait, si jamais ça revenait, on aurait que la musique, en fait. Je vois bien sûr, c'est un peu dans le noir, et voilà. Donc, en vrai, je suis assez chaud là-dessus, j'aime bien la musique. Ouais, mais tu vois, en plus, la musique de la Terre à la Lune, et je parle en présence de McFim. Oui. Et ben, en fait, elle a été pensée pour l'époque où le train partait de plus bas. En plus, ça demande une adaptation. Donc, Je pense que l'adaptation serait peut-être. Ouais, je pense que l'adaptation serait peut-être pas si compliquée. Ouais, mais on veut dire qu'ils l'ont faite. Ouais, ça veut dire que DLP a réfléchi une adaptation. Oui, bien sûr. Ça veut dire que DLP aurait réfléchi au truc. Oui, pardon. Ah, ça serait cool quand même qu'on ait des. C'est une petite remise à niveau. Enfin, remise à niveau. Au moins qu'on puisse rider de la Terre à la Lune une fois de plus avec la musique, quoi. Ne serait-ce que la musique. Je me rappelle de cette vieille époque sur le DCP où des gens disaient « Oui, moi, de toute façon, je prends mes écouteurs, je prends mon téléphone et puis je synchronise la musique en même temps que par le train. » Comme ça, j'ai vraiment l'impression de revivre de la Terre à la Lune sans cette bouse qui est la musique de Space Mountain Mission 2. Ouais. Comme j'aimerais bien savoir le nombre de fans de rock qui actuellement mettent la musique de rock dans Flight Force. Ah ouais, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un remix spécial, mais je pense pas que tu peux le faire. Dans Flight Force, normalement, si. Vous savez quelle est la meilleure version de Flight Force?
Non. C'est celle de l'aérien. C'est celle de la soirée Marvel où ils avaient juste mis le coaster dans le noir. Donc finalement, c'était déjà un peu Fly Force. C'était une preview, en fait, on ne le savait pas. Avec la musique des Gardiens de la... Non, d'Iron Man ? Je ne sais plus ce que c'était. De mémoire, vous aviez dit Iron Man dans votre podcast. Ouais, ça devait être Iron Man. Ça devait être ACDC, il me semble. Ouais. Bah, tu vois, finalement. Oh, on savait à l'époque. On savait à l'époque qu'il y avait. Qu'il l'était avant. Bah, on s'en doutait, de toute façon, on le sait depuis 2010. La soirée Marvel, de quand date-t-elle ? Mai 2018. Ouais, votre... ouais, donc on le savait. Avril 2018, ouais, je vois. Okay. Non, 7 juillet 2018, tu vois. Donc oui, on le savait totalement. Il y a des gens qui font buzz avec la musique du Visionarium. Que rien. Allez, let's go. Prochaine fois qu'on va à DLP, on prend un casou. Ça, c'est la musique de Space Mountain. Ça, c'est Space Mountain. Je l'ai plus, la musique de Visionarium. Vous savez que le but, c'est d'inciter les gens à rester, pas de les faire fuir. Hein. Enfin, je dis mais ça. Pour l'apéro tu sais, tu sais ce qui incite les gens à fuir ? Non. La filiation de Buzz. Je dis rien, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui travaillent. Ou la boutique du château. Parce qu'elle a des fuites. En fait, en ce moment, si vous avez remarqué, à Disneyland Paris, il n'y a plus trop de fuites. C'est parce qu'il ne pleut pas. Oh putain. Mais non, mais c'est vrai en plus. Il n'y a plus de fuites dans les attractions. Non, mais et je suis désolé. Vas-y, va là. Transition, va là. Transition. Transition, Mando est toujours en fuite parce que ça sort le prime. Alors, la station de Tonton Walt, c'est parti. Ah, je l'ai oublié, tiens. Attends, va là. J'arrête. Dites, envoyez des dons pour que je débarque les curieux à son adresse et que j'y mette le casou dans le... dans le fondement. Rectum. Civis passem par la menum rectum, comme dirait Laurent Gérard. J'ai l'impression que ça remarche chez moi, Twitter. Mais non. Bah, après, c'est chez moi, hein, mais je suis sur Edge, là. Attends, on va essayer. Est-ce que quelqu'un peut lire la station de Tonton Walt? Parce que là, les gens sont en train de lire tout seul. Un jour, Tonton Walt a dit... Venez croiser Mando et Grogu pendant 2 semaines, disponible 2 heures par jour. S'il fait beau, en lançant un des 20, et seulement s'il y a des réservations pour entrer dans les parcs. Bah, je pense que ça se passe de commentaires, parce que Mando il est annoncé quasiment du jour au lendemain, donc pas moyen de réserver. Et les horaires, le temps que la file ouvre et qu'elle soit complète, je crois qu'il y a un petit quart d'heure qui s'écoule. C'est ce que me disait DLP Welcome sur Twitter. Et bah c'est pour 2 semaines, donc les gens qui vont le voir, c'est les gens qui habitent à côté, c'est les gens qui sont toujours sur le parc, qui ont de la chance, quoi. Et ça fait chier. Du coup, moi, je sais que je suis fan de Star Wars, j'aime pas les rencontres perso, mais j'aurais bien fait une photo avec Mando et Grogu, et ben, je suis désolé. Voilà. Et du coup, on est d'accord que c'est un petit peu Mando Calis. Par opposition à Lando Calrissian. J'aime l'humour. Vous voyez, la dernière fois, on a eu ce truc génial où je peux avoir une capture de fenêtre sur le Shadow avec les trucs. Et c'est reparti ! Et puis qu'au moment du live, ça marchait plus. Ouais. Je vais vraiment péter un boulard. Péter un boulard, ça se dit, ça dans les milieux autorisés ? Oui, ça se dit. Là, actuellement, vous voyez, ça ne refonctionne plus, putain de sa mère. Il faut que tu sélectionnes la bonne fenêtre, peut-être. Il y a Arnaud Mérès qui nous dit, il faut venir voir Bulle de Star Wars en convention. C'est quoi ? Ça m'intéresse vachement. Attends, je vais googler. Capture. Vraiment, je fais capture de fenêtre. Dans fenêtre, ça ne me propose rien. Bah, je vous laisse gérer, moi. Je sais pas, Max. Moi, ça a toujours marché, donc... Et moi, ça marche pas juste sur OBS à chaque fois. Sur Shadow. En fait, on est en train de payer un putain de Shadow pour être de la merde. Moi, ça marche vachement bien quand je joue à FM. Bon, après, à ça, je suis costumé en champagne ardenne. Mais attends, mais c'est pas loin bah, champagne ardenne de chez moi, ça. Bah oui, c'est bien. C'est pas loin de la château de la champagne ardenne. T'as qu'à venir à la maison, boire une bière avant. Ouais. Tu passes me chercher et puis on y va. C'est bon. D'accord, on aura un casou dans le cul. Oh, bravo. Magnifique.
Ah, tu vois que ça marche, comme quoi c'est surtout c'est pas un problème de Shadow, c'est un problème d'interface chaise-clavier, non? Attends, parce que quand je vais fermer la fenêtre du Shadow, quand je vais fermer la fenêtre de Edge, et ben en fait ça disparaît d'OBS. C'est incroyable. Prochain Natsoft de la... Bah écoutez, allez voir à Vitry-les-Reims, il y a un event de Star Wars en bulle, donc c'est une source qui fait des costumes de Star Wars. Est-ce que tu peux retirer les cookies et te connecter histoire que ce soit moins moche? Les 25 et 26, et 26 mars, comme ça je fais la pub de quelqu'un sur le live. Me connecter de la merde. Parce que j'ai pas de temps à perdre. Bah oui, mais c'est pour ça qu'on prépare un live, Maxime. Bah, j'ai préparé, j'ai enregistré. Ah, attends, mais il faut pas que je me connecte sur OBS. Vas-y, alimenter. En fait, non. C'est pas dans ton cul, je vais mettre le casou. C'est dans ce film, Max. Vous avez pas remarqué que d'un point de vue technique, quand même un peu plus au point quand c'est pas Max qui fait. Je peux être méchant. Par contre, quand il va apprendre, quand c'est Max, quand c'est Max, ça commence à l'heure. Quand c'est Max, ça commence à l'heure et ça commence pas à 7h. Parce que putain, la dernière fois, j'ai pété un putain de boulard la dernière fois en écoutant ma musique parce que vous avez commencé à 6h30, les gars. Valar, il est conscient à quelle heure on a commencé aujourd'hui ou pas? Moi, je sais pas, je viens de voir qu'on vient de perdre 4 auditeurs. On a commencé à 18h10. Vous disputez. Alors, 25 et 26 mars, on fait de tout. Empire, Mando, Jedi, Storm, Jawa. Le mot de passe, c'est « Curin, va te faire enculer ». Empire. Oh putain, Mando. Attends. Jedi. Si tu refuses de te battre. Il faut que Nagla, il me dise le chiffre, parce que j'ai mis le compte et la bête. J'attends les Jawa. Vas-y, Curin, fais le Jawa. Mais de quel chiffre il parle? Accepter la... Tu peux confirmer l'accès Google. Tu peux me donner le chiffre, Max, c'est moi qui l'ai. Ok, 13. Putain, voilà, c'est fait. J'ai compris. Ce qui est bien, c'est que là, vous avez les coulisses de l'émission. En fait, vous avez les coulisses de l'émission à chaque fois. C'est incroyable. En fait, on fait un live méta sur les coulisses du live. Salut Pierrot, tu arrives au moment où, a priori, ça va marcher. Ouais. Après, on n'a pas été aidé par Elon Musk, faut le dire. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu le faire avant. Voilà. Alors maintenant, il faut que je retrouve le lien. C'est donc la citation de... C'est quoi le lien? Je sais plus. Non, la citation, on l'a déjà faite. Ok, bah, c'est bon. On était sur Mando et gros cul. Voilà. Ouais, Mando et gros cul. Ah oui, j'avais oublié qu'en plus, Maxime était la seule personne sur Terre à avoir Twitter en clair. C'est vrai. N'empêche que... On sait s'ils l'ont acheté ou loué, ce costume, ou pas? Il y a des gens qui disent loué, il y a des gens qui disent acheté. Il aurait loué. J'ai lu les deux, moi. J'ai lu loué, a priori, ça a l'air d'être plus loué, et j'ai lu aussi acheté un seul exemplaire, et du coup... Ils ont encore le remplacé. Mais donc, difficile de dire, mais je pense que loué, ça me semble plus logique, ça me paraît bizarre de n'acheter qu'un exemplaire, dans ce cas-là, autant pas l'acheter, enfin... C'est bizarre. Bah c'est... Ouais, mais s'ils l'ont acheté, du coup, pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'une dispo de 2 semaines, quoi? C'est... Bah, s'ils l'ont loué, bah c'est qu'ils l'ont loué, tu vois. C'est que c'est pour le lancement de la série, c'est un deal avec Disney+, et puis voilà. Tiens, est-ce que ça serait même Disney Plan de Paris qui l'aurait loué, ou est-ce que ce serait Disney+ qui l'aurait loué pour mis à Disney de Paris, parce que bon... Non, je pense que c'est quand même Disney de Paris qui... Oui, il y a peut-être un partenariat, tu vois, mais... Salut Narashiki, salut Naglaglaçon, salut Pierrot. C'est DLP qui gagne plus que Disney+, quand même. Hein. Disney+. Bah ouais, c'est vrai que voilà. Je leur fais juste un petit peu de pub. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir la pub sur Mando? Je pense que c'est leur produit phare en ce moment. Oh, depuis le début. Oui. Ça serait intéressant de voir les courbes de connexion à Disney+, en fonction des épisodes de Mandalorian. J'espère qu'on les aura un jour. Je pense que la seule série qui a su un peu être au niveau de Mando, c'est peut-être Wanda et Loki, un petit peu. Wanda, je sais pas, Loki, c'est sûr. Loki, j'ai pas aimé, Kenobi. Mais il y a plein de... Oh non, Kenobi. Non, Kenobi a vraiment fait moitié flop, moins, hein, que Mando, je crois, ou moins. Un flop, ça me paraît dur, mais ça, c'est une déception. Bah, je pense, oui, par rapport à leurs attentes, c'est évident que... Oui. C'est pas aussi bien qu'ils auraient voulu, quoi.
Céline Ting demande pourquoi, au final, ne pas avoir Mando jusqu'à la fin de la saison. Bah, c'est par rapport à ça, je pense. C'est le prix de location du costume, c'est le prix que ça coûte. Puis c'est pareil, c'est l'histoire de Paris. Au final, il y aura toujours un moment où ça va déconner. C'est compliqué d'organiser quoi que ce soit, de planifier. Puis, de... Je pense aussi que ce genre d'événement doit attirer les fans de Star Wars, encore, je suis même pas sûr. Surtout, en fait, les fans de Disneyland Paris qui auront tous fait la queue au bout de 15 jours. Au bout de 15 jours, en fait, il y aura un effet. L'effet Mando, c'est ce ton pras. Oh, je sais pas d'accord. Parce que pour moi, en 15 jours, t'as juste les fans qui sont au courant. Tous ceux qui sont pas trop au courant, ils vont passer à côté, en fait. Et ils ont et un puis, Insta. Il faut pouvoir réserver aussi. Il faut pouvoir y aller. Hein. À mettre ton Insta dans le lien. Dans le du coup, en fait, comme c'est que 15 jours, DLP va pas vraiment communiquer dessus, à part dans ses canaux fans, sur ses réseaux sociaux, tu vois. Tu vas pas avoir de vrai com sur le fait que le Mandalorian est à DLP, tu vois. Ce serait juste au final un problème de temps de location du costume. Bah, ou de volonté, ou de dispo peut-être aussi, tu vois, peut-être qu'ils n'ont pas commandé, peut-être que Disney Plus n'a pas 18 costumes Mando. Et est-ce que ce serait pas aussi au final un des costumes qu'on trouve en Californie et qui lui sert un petit peu de dépannage? C'est en Californie, hein, je crois, le Mando. Je crois que c'est les deux. Les deux? Je crois que c'est les deux et que c'est définitif. En tout cas, au moins en Floride, c'est sûr. En Floride, il y est définitivement. Je crois qu'il y est aussi en Californie définitivement, mais difficile d'être sûr. D'accord. Oh, oula, pardon. Ouais, je pense aussi, Pierrot, que si t'es pas fan des LP, t'es pas au courant. Un peu de choses près. T'as peut-être vite fait vu passer, mais c'est tout, quoi. Bah tiens, on va demander à Arnaud, vu qu'Arnaud a une association Star Wars. Tu peux mettre dans le Star chat, Wars, je crois. Est-ce que oui ou non dans le milieu des fans de Star Wars sur les réseaux sociaux, est-ce que il y a une communication sur le fait qu'on puisse rencontrer Mando et Grogu à Disneyland Paris, Arnaud? J'épingle le message. Il y a Florian TDK qui nous dit DLP a communiqué sur Insta, oui, mais pas ailleurs. Et l'Insta de DLP, je pense qu'il est avant tout dédié aux fans pur et dur. Tu vas avoir des jeux grand public avant d'avoir un. De toute façon, le grand public, le temps qu'il voit et qu'il planifie sa visite, les deux semaines ont passé, tu vois. C'est les gens, ça fait pas. Ah, il y a Mando qui vient. J'ai deux semaines pour y aller parce qu'en plus ils ont pas prévenu en amont. Donc. Au final, qu'est-ce que Arnaud dit? La com a été très très tardive sur les réseaux Star Wars. Ouais, bah c'est pas étonnant. C'est que c'était tardif maintenant, il reste plus que 8 jours pour y aller. Hein. Et oui, c'est ouais. Ça. C'est triste. Et c'est que pour les fans et les PA, mais ouais, mais même eux, tu vois, enfin, tous les PA ne sont pas disponibles comme ça en claquant des doigts. T'as des PA qui sont en Belgique, dans le sud de la France, au Royaume-Uni, pas mal de PA dans après... les pays limitrophes aussi. Hein. Après, ouais. et c'est là qu'il y a une petite transition avec l'acte 3. C'est qu'il y a des PA qui viennent à DLP, mais qui ne peuvent pas aller le voir. Parce que, ben, en fait, ils sont occupés à renouveler leur passeport annuel. Comme par exemple Nagla. Bah, c'est marrant parce que j'ai eu un peu un cas similaire, mais différent. Ouais. On fait l'acte 3 ? Ouais, vas-y, vas-y. Wouh ! Prêt pour la résa ! Curien ? Curien, commence, parce que toi, t'es arrivé, enfin, t'as eu l'histoire avant nous. Moi, vendredi, j'ai eu une histoire. Un peu en demi-teinte. On va dire qu'il y a eu un aspect hyper positif, c'est que je suis arrivé à 11h45 pour faire mon PA sur les conseils de McAllister, présent dans le chat, qui a dit « Essayez d'arriver aux alentours de midi, un peu avant midi, c'est généralement là où tu as les créneaux pour réserver et avoir un petit rendez-vous et pouvoir revenir. » Et ça, c'est super. Le souci, c'est donc que je suis arrivé à 11h45, je me suis présenté, la dame m'a demandé, oui, c'est pour combien de PA ? Un, en comptant, ok. Je pense que mes réponses ont peut-être aidé à avoir un rendez-vous et que peut-être que si c'était pour 4 PA, ça aurait été plus compliqué. Donc elle m'a dit, ça tombe bien, il me reste un créneau à midi. Donc vous avez compris, 11h45, j'ai un rendez-vous pour midi. Donc je suis directement rentré, en fait. Elle m'a dit, allez-y. Et j'y suis allé. Il restait un créneau. Hein. Il n'y avait personne dans la file des rendez-vous. Donc, je comprends pas. À côté, il y a avait pas mal de monde. Il y a vraiment jamais personne dans la file des rendez-vous. Même nous, enfin, moi, il y a un mois et même encore là, si, en fait, ça arrive vraiment par groupe. J'ai l'impression que tu as un groupe tous les quarts d'heure qui passe. Ok. À tout casser.
C'est ok. Et donc à côté, t'avais plein de gens qui attendaient quand même. T'avais, je pense, c'était pas blindé parce qu'il y avait vraiment personne sur le parc ce jour-là. Et vous allez voir, il y a un twist. C'est que t'avais un aller-retour peut-être de gens qui attendaient pour le PA. Mmh. Donc ça me semble peut-être une heure et demie d'attente, je pense, un truc comme ça. Et donc j'arrive au bout de 5 minutes. Voilà, le game regarde, fait vous êtes tout seul, machin. Donc il me dit, vous êtes le prochain à passer au bout de 5-10 minutes d'attente, même pas. Et au bout de... Ouais, non, vraiment plutôt 5 minutes. Et donc j'y passe, j'arrive, je mets mon PA, je paye comptant parce que les dernières fois où j'ai essayé de payer en mensualisé, j'ai eu des emmerdes, donc voilà. Je décide de payer comptant et c'était fait en 4 minutes au guichet, même pas. Donc, ce qui est génial, c'est que aujourd'hui, quand tu renouvelles ton PA, on te fait signer un contrat, il y a 8 lignes dessus. Tu repars avec ton petit bout de plastique. C'est vraiment devenu... Tu viens, tu prends ta merde et tu dégages. Le contrat de Margot est là. Et moi, j'ai une feuille de plus parce qu'elle a mensualisé. Mais c'est ridicule. Il n'y a rien sur le contrat, quoi. Tu signes vraiment que dalle. Je l'ai pas lu parce que ça m'a pas semblé intéressant, mais du coup en fait il s'engage à rien du tout, quoi. C'est un concept. Il y a vraiment le point où la caissière nous a dit, est-ce que vous avez des questions, vous voulez que je vous décrive le contrat? On a dit non, c'est bon, on sait, ça fait 10 ans qu'on a... Il donne plus les petites pochettes avec le petit dépliant. Ouais. Non, t'as vraiment plus rien, quoi. C'est vraiment dégage avec ta merde, quoi. T'as vraiment l'impression limite d'avoir un tombé du camion. Je trouve en ressenti, ça fait vraiment bon. Après, soit, hein, parce que ça va vite et voilà, on est passé next. Mais du coup, j'étais relativement content, tu vois. 5-10 minutes, c'est fait. Le problème, c'est qu'il y a un twist et c'est là où le twist vient. C'est que nous, on était venus pour ça, on était deux et. T'as un peu comme dit Michel, c'est le twist à DLP et non pas à Saint-Tropez. Oui. Super. Voilà, je l'ai pas, hein, mais c'est pas grave. Je l'ai pas non plus, mais. Pourtant, j'ai une culture chanson de vieux quand même qui est assez balèze. Donc. Ouais, donc tu te dis, bon, c'est pas grave, on va essayer de réserver. Sachant qu'on avait déjà essayé avant, vous doutez bien. Et en fait, non, pas de place. Et là, tu regardes, tu vois vraiment les abords qui étaient vides. Le seul endroit où il y avait du monde au village, c'était au McDo. Le seul endroit où il y avait du monde, où il y avait de l'attente, c'était Orbitron. Il y avait vraiment un max de 35 minutes d'attente à Web, à BTM, à midi, 13h. Et tu dis, il n'y a pas de billet pour rentrer, en fait. Il n'y a pas de place pour les passes annuelles pour rentrer. Je viens de claquer 330 balles et je ne peux pas rentrer dans un parc. Alors que je suis censé avoir un pass annuel. Et voilà. Vous allez me dire. Merci Valar. Vous allez me dire, t'aurais dû prévoir en amont. Ton truc. Mais quand bien même, en fait. Parce qu'on avait prévu, à la base, on avait prévu d'y aller la veille, le jeudi. Jeudi dernier. Et le truc, c'est qu'on a réservé, je crois, le lundi. En se disant, ça va, c'est jeudi, il n'y a pas grand monde en ce moment dans le parc, il n'y a que les Franciliens qui sont en vacances. Et le nombre de personnes aussi, par exemple, sur Twitter, quand ça râlait beaucoup à propos des réservations, comme quoi c'était vraiment compliqué d'en avoir, et les week-ends, et puis parfois aussi en semaine, le nombre de personnes qui disaient, oui, de toute façon, tu t'en fous, tu te mets sur les attentes, t'inquiète pas, moi, la veille, j'ai toujours un message comme quoi je fais la DLP. C'est faux, parce que l'été, j'avais eu ma confirmation à 14h pour le jour même. Toi, tu vois, au final, tu prends la veille. Le jeudi en question, non, c'était pas la veille, c'était genre le lundi ou le mardi qu'on l'a fait, donc 2-3 jours avant. Et le jour même, on a annulé à 15h, tu vois. Parce qu'on était malade. Mais je veux dire, de fait, on n'aurait pas eu de réservation quand même, quoi. Donc, à un moment donné, c'est chiant, quoi. Enfin, et en fait, ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que tu vois que le parc était vide. Donc, que leur système de quotas, je veux bien, quand ça a du sens, je peux un peu le concevoir. Mais là, ça n'avait pas de sens. Le parc est vide. Tu peux pas avoir 35 minutes max aux attractions qui viennent d'ouvrir et qui ont toujours une attente de fou. Ou alors à Robitron, qui a un débit, pathétique. C'est pas normal, en fait. Ça devrait pas être comme ça.
Après, l'info, c'est que t'as quand même fait 5 minutes de queue. C'est mais c'est ça le pire, c'est qu'au final, t'as fait 5 minutes de queue en te disant bah, peut-être que tu vas en faire une demi-heure. Ou est-ce que tu vas en faire une demi-heure ou est-ce que je vais avoir une réservation? Puis au final, je vais en faire minimum 2 heures. Mais donc en ça, fait, c'était jeudi, je crois. Ouais, mais non, moi, c'était vendredi. Mais tu vois, le côté hyper frustrant, c'est que finalement, je me suis tapé un aller-retour pour renouveler mon PA. Ouais, 300 euros l'aller-retour, ça fait cher l'aller-retour. Bah non, mais tu vois, c'est juste que. Je vais à Disney, je me déplace. Alors ok, je suis pas très loin, mais bon, quand même, il y a le fait d'y aller, prendre le bus, machin, attendre, tout ça. Enfin, et finalement, t'es sur place et t'as un peu cette frustration de te dire, bah, au lieu de passer 3-4 heures un peu à déconner, à peut-être dépenser de l'argent sur le parc aussi, ben, parce qu'on aurait probablement mangé, ben, on y allait, puis on a zoné une heure, histoire de dire, dans le village, quoi. On a mangé un petit cornet de frites dans les stands qui sont devant le Planet Hollywood, 4,50 €. Le mec qui cuit qu'une fois ses frites, elles étaient moyennes, à moitié cuites. Bah voilà, tu vois. Parce que deux cuissons, c'est bon. Bah normalement, c'est deux cuissons. Tu manges tes frites et tu les remets. Et même les frites surgelées, c'est une première fois, tu les congèles et après tu les mets une deuxième cuisson. Tout à fait, tout à fait. Et là, pour le coup, elles n'étaient même pas vraiment cuites. Tu vois, enfin, c'était vraiment mi-cuite. Donc, tu vois, enfin, bref, c'est pas le sujet, mais. c'est juste histoire de dire que finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on était deux, on a dépensé 4,50 € sur la journée, on a payé plus cher de bus que d'argent à DLP, outre le PA. Alors que bah il y avait personne dans le parc, donc on y serait allé, on aurait probablement grignoté des trucs, acheté. Il y avait du merch aussi qu'on avait envie d'acheter, qu'on n'a pas vu au DV et qu'on aurait pris sur le parc, quoi. Donc c'est con. Valérie Pécresse te remercie. C'était le vendredi. Qui est Max qui est pas allé le samedi pour faire un PA aussi? Alors on est allé avec Nagla samedi. Donc Nagla venait de le lendemain, le 4 mars. Donc, sachant que moi, je vous ai donné ma stratégie. Je vous ai dit 11h45, oui. Banco, 5 minutes, nickel. Sachant que on nous disait tout le temps, et Mac Alistair le premier, et ça, ils s'en est même excusé après sur le Discord, mais c'est pas de sa faute du tout. On nous avait dit à midi, ouvre les réservations pour avoir un accès pour pouvoir refaire son passeport annuel. Donc sachant que moi le 4 février, je rappelle, hein, on arrivait à 13h, on est sorti de la file d'attente à 16h15 avec des personnes qui étaient totalement inefficaces. Belle évolution. Donc Nagla arrive à 11h30. Nagla est arrivé à 11h. Donc voilà, plus de rendez-vous. Alors, on lui annonce plus de rendez-vous. En fait, la file des rendez-vous avait ouvert à 8h du matin. Donc McAllister qui s'était renseigné la semaine d'avant, qui avait redemandé à DLPL pour confirmer, et ben finalement eux avaient reconfirmé midi et finalement non, c'est 8h pour les rendez-vous. C'est ça. Ça a rechangé. C'est ça. Donc Nagla arrive, machin, 8h du matin. Ce qui est bizarre, c'est-à-dire que ça a été vite complet. Donc c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui voulaient refaire leur passeport annuel à 8h du matin. Il y a des gens qui se sont dit, putain, pour avoir ma journée sur le parc, je vais venir à 8h du matin. Il y a un truc, déjà, what the fuck. C'est-à-dire que soit ces gens-là étaient au courant pourquoi ça ouvrait à 8h du matin, soit ces gens-là se sont dit, vraiment, en fait, il y a eu beaucoup trop de problèmes par rapport aux réservations PA. Si je profitais au moins de mon après-midi, il faut que je vienne à 8h du matin. Il y a des gens quand même qui sont bah, en fait, ça devient un peu maladif, tu vois. Même nous, au final, si on veut refaire notre passeport annuel, moi, il y a un mois, jusque je me suis niqué la gueule. Donc, le deuxième PA qu'on a samedi, Nagla aussi, toi, Curien. Il y avait la compagne de Nagla, pareil, qui est en train d'un petit peu anticiper, préparer, au final somatiser son renouvellement de PA vendredi prochain. Il faut en fait qu'on anticipe ça. Ça c'est pas normal. Donc Nagla est arrivé à 11h30, on lui annonce que non, c'est à 8h du matin. Donc il a fait la queue à 11h30. Nous, on l'a rejoint dans la file d'attente, et encore merci aux personnes qui... Enfin, en fait, on n'aura pas trop laissé le choix non plus, on n'a pas ouvert notre gueule. Aux personnes qui nous ont laissé passer pour qu'on puisse rejoindre Nagla. Nagla qui est, pour le 4 mars, qui est au final mon frère. C'est quand j'ai demandé à la dame, est-ce que je peux rejoindre mon frère qui est dans la file d'attente, elle m'a dit, vous voyez avec les gens. Ah ouais, voilà. Ouais. Ah oui. Vraiment, la meuf m'a dit... C'est marrant parce qu'il y a quelqu'un sur Twitter qui t'a dit, oui, vous pouvez vous relayer, t'inquiète. Mais c'est incroyable. La casse m'a dit, vous pouvez le rejoindre, vous voyez ça avec les gens. Donc, on a réussi à rejoindre Nagla. Véridique, Nagla était à 1 mètre plus loin que là où on avait commencé la file d'attente un mois avant.
Donc, c'est-à-dire que il était déjà un peu dans la zone serpentin. Il y a vraiment 4 zones dans cette file d'attente. C'est incroyable maintenant de pouvoir gérer les zones de la file d'attente des passeports annuels comme on gère les zones de BTM ou de Space Mountain, quoi. Il y a l'allée, donc entre les petites forêts, et après il y a un aller-retour et demi. Donc Nagla était au premier chemin d'aller-retour à 1 mètre de là où on était nous il y a un mois avant. On a mis 3h15, là on a mis, donc avec Nagla, une heure et demie. Donc Nagla avait commencé un petit peu avant, au final Nagla a mis 2 heures. Donc, Nagla a mis 2 heures et nous, en journée, on a mis 1h30. 1h30 pour le même endroit qu'un mois avant. Alors, je pense qu'ils ont dû anticiper un truc. J'avais l'impression. Bah non, parce qu'au final, moi, je voyais autant de rendez-vous que ce que j'avais vu un mois avant. Par contre, j'ai l'impression qu'ils avaient plus de caisses ouvertes pour les passeports annuels. Incroyable. Je pense qu'ils ont peut-être dû se rendre compte que, oui, quand il n'y a plus personne dans la file d'attente des billets privilèges, ça ne sert à rien d'avoir 5 billets privilèges ouvertes et qu'on peut faire attendre 5 minutes de plus, environ 10 minutes, un quart d'heure maximum des billets privilèges, mais pas faire attendre 3h15, 4h des gens dans la file d'attente des Royaumes-Pères. Après, tu vois, tu dis ça, mais moi, je repense au tweet de Disney Gazette qui est sorti aujourd'hui, où ils ont dit qu'ils sont passés hier devant la file. Est-ce que tu l'as mis ? Est-ce que tu l'as mis ou pas dans le sheet ? Tu veux que je te l'envoie ? Ouais, envoie-le sur la question. Ouais, ouais, ouais. Sur un tweet. Et du coup, au final, okay. Tu as mis combien de temps ? Vous avez mis combien de temps, Nagla et Max ? Donc, Nagla a mis 2 heures, et donc nous, en le rejoignant, on a mis 1h30. Donc en fait, si on a mis 1h30 à faire les fameux 3 allers-retours de, ouais. Enfin l'aller-retour et demi de file d'attente annuelle, et puis Nagla a mis une demi-heure pour faire un tiers de cette file d'attente. Non mais c'est pas normal d'attendre autant pour faire un PA. Fin... Déjà, pas, à une époque, il y avait le bureau des PA. Ouais, non, mais en fait, désolé. Alors, je sais que t'es content parce que c'est plus efficace et que du coup, t'as eu un. C'était incroyable. Un ascenseur positif dans le sens où tu t'attendais à attendre 3 heures parce que t'étais au même endroit. Mais je suis désolé. C'est quand même pas normal. Ça reste scandaleux d'attendre 1h30, 2 heures pour aller dépenser 300, 400 balles et encore nous. On n'en fait qu'un à la fois généralement. Mais t'imagines que t'as des fucking familles qui vont claquer du 2000 balles et tu dois attendre 3 heures pour faire ça. Il y a Nagla qui demande s'il peut passer un petit coup de gueule. Oui, oui, envoyez. Je laisse envoyer le lien et puis le mot de passe et puis il faut me prévenir dès qu'il y a. J'avoue que c'est quand même pas normal d'attendre autant pour faire un passeport annuel. Alors par contre, et je pense que Nagla nous en parlera juste après, là où nous on a été très agréablement surpris, c'est que la caste, alors en plus elle était avec quelqu'un, je pense peut-être son formateur, la caste a peut-être été un petit peu sèche, pas antipathique, mais vraiment la plus neutre possible, mais au moins... Ah, merci Valar pour ton... Merci Valar pour ta bite. Je savais que tu voulais la faire. Pardon. Mais comment dire ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc... Moi, par rapport à mon expérience le mois d'avant, j'ai assez râlé durant ce label apéro où j'ai râlé sur... Merci Goodcar pour ton bite. Merci Goodcar pour ta bite. Voilà, c'était pour la deuxième fois. Par contre, moi, j'ai remarqué un truc... Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que sur les différents lives, c'est que dès que quelqu'un balance un beat, eh ben, y a Goodcar qui en balance un deuxième. Donc n'hésitez pas pour que Goodcar y dépense. Mais un mois avant, il y avait une caste qui gérait les billets privilèges, qui gérait les passeports annuels. En plus, ça, une caste que moi, je trouvais très lente. Du moins que si j'avais travaillé comme ça dans Grande Surface, je me serais fait défoncer la gueule. Et en plus de ça, qui avait été plutôt antipathique, enfin, j'ai trouvé antipathique et pas compréhensif par rapport à ma colère. Et ce que je peux comprendre aussi, bah, la meuf, elle en prend cher depuis plusieurs mois. Et en plus de ça aussi, une caste qui me ferme le rideau devant la gueule. Là, on est tombé sur deux castes pour les privilèges et les renouvellements. Des gens qui sont efficaces, des gens qui ont dit
let's go. Vous envoyez, enfin, vous voyez quelqu'un, une caisse de vide, et puis vous dépêchez, vous n'avez pas le choix. Et en plus de ça, une caissière qui, ben, pendant que nous, on signe le contrat comme quoi on veut mensualiser, ben, t'as la meuf à côté qui écrit, qui imprime, et puis qui te balance du papier aussi, pour comme quoi tu fais bien un PA et tout ça. La meuf était super efficace. C'était incroyable, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'elle était efficace? Bravo, voilà. Nagla est arrivé. Un stream ghetto. C'est notre envoyé spécial Nagla. C'est Nagla qui est encore dans la file d'attente, je pense. De. Oui. Est-ce que tu peux parler, Nagla, qu'on voit si son marche déjà? Ah, mais Nagla, il est muté. Il y a la petite icône micro rouge qui est barrée en haut à droite. Il est muté. Nagla, tu es muté. Faut que tu appuies sur le petit micro. Après, s'il est muté, il peut essayer de passer tes ZR. C'est plus simple pour trouver un poste. Oh la vache. S'il y a des profs dans le chat, j'étais en train de me dire que j'avais pas compris. Là, c'est vraiment une blague de prof à la con. Allez-y, c'est bon. Nagla, normalement, tu peux... Attends, ouais, il faut muté. Juste... Il faut qu'il se démute. Ou que tu le démutes, peut-être. Non, il n'y a que lui qui peut se et faire. Si vous voulez rigoler, le temps que Nagla arrive, devinez qu'il doit refaire son PA avant le mois prochain. Donc au final, tu vois, bah, par rapport à ça, Valar, nous, on peut même pas en fait te conseiller sur quand venir. Mais tu sais, quand j'ai vu le message de Curien samedi là, j'ai fait l'hélicoptère parce que j'étais content. Je me suis dit, ça y est, ils ont réglé les problèmes. Mais nous aussi, on s'envole. Non, Nagla, bah, c'est que toi qui peux te démuter. Nagla, tu es muté. Donc, c'est pas ton nom de famille. Voilà, hein. C'est bon, je pense que c'est bon. Bonsoir, ça y est, j'arrive à vous entendre. Par contre, là, on a un gros problème sur ton œil gauche. C'est spécifique, bizarre. Mais... ouais, ça doit pas être très cool, pardon. Super. Je vous entends assez faiblement, mais c'est de la faute de mon appareil. Je vous en veux pas. Ah, tu es à Paris, là, là. C'est l'âge. Ah, là, je vous entends bien. Très bien. C'est l'âge. Bonsoir. J'ai 40 ans. Je suis à la gare de Colombes. Incroyable. McAllister, 8h direct. Bonsoir, bonsoir. 2 heures de route, ça fait chier de se lever à 5h du matin, quoi. Bah, du coup, oui, pardon, tout le monde m'entend, tout est ok? Et regardez, tu passes la veille à la maison et puis tu y vas le lendemain. Hein, je pense que. Allez-y, faites votre vie. Hein. Vous voulez voir un truc, vraiment, le reporter spécial qui est lancé et qui est en gros plan sur Twitch. Oh la vache. Alors, du coup, Nagla, on t'écoute, c'est quoi ton expérience avec le pass annuel? Est-ce que t'as des trucs à rajouter? Oui, ici machin busine de brut, nous sommes en direct des... Non, alors, bon, en gros, ce que je voulais ajouter, Max a très bien raconté l'histoire. Je ne veux pas épiloguer, machin, j'ai attendu 12 heures, ce qui, effectivement, comme dirait Max, est plutôt bien par rapport aux 3h30 que j'ai commencé à anticiper quand j'ai vu le bordel. Mais ce qui reste, que j'ai attendu 2 heures dans le froid et que j'étais vénère quand même, hein, vous inquiétez pas, je ne suis pas content du tout de... Cependant, je n'étais pas vénère que à cause de ça. Parce que ce qu'on oublie assez facilement, c'est que cette affaire qui m'est arrivée, c'est en fait la corrélation de 3 erreurs de com de Disneyland Paris successives. Erreur, omission volontaire, chacun jugera. Mais j'ai ma petite idée sur le sujet. Je suis désolé, je cadre en essayant de parler au micro, donc ce qui fait que je cadre en fait mes cheveux. C'est très bizarre. Tes cheveux? Et nous avons deux Jiraya dans le live. Excuse-moi, c'est pas là. Il y en a 3. Espèce de connard. Donc, la première, c'est que moi, j'étais parti pour renouveler en ligne. Que j'ai jamais reçu le mail pour renouveler en ligne. Que plein de gens ont pu renouveler en ligne, puisqu'on a reçu ici Picamox, qui a eu 2-3 soucis pour tenter de renouveler en ligne et qui n'a pas réussi. Mais finalement réussi, bref, c'était le bordel. Ouais, mais ça ne marche plus, le renouvellement en ligne, a priori. Non, parce que j'ai découvert ça il y a quelques semaines seulement. Par DLP Help, donc, qui a dit « Ah non, il n'y a pas de renouvellement en ligne, il faut venir sur place. » Je dis, bah, nique ta mère, c'est pas si facile à faire, j'avais fait en ligne, très bien. » Premier point, si vous avez vu une communication à ce sujet, c'est pas clair. Deuxième point, les fameux 15% de remise quand tu renouvelles, jusque-là, jusqu'à un mois après la date de renouvellement, ils pouvaient s'appliquer si tu te pointais. Un mois après la fin de ton pass, tu avais les 15% qui s'appliquaient toujours. C'est fini, ouais, ça aussi. C'est 2 mois avant et 1 mois après. C'est fini. Non. C'est plus 1 mois après. Avant, pardon.
Oui, c'est deux mois avant, un mois après. Maintenant, c'est plus deux mois avant. Non, y a... c'est plus après, Max. Mais c'est ce que je dis, avant, j'étais un pur connard. Mais oui, mais tu dis avant, c'était deux mois avant. Du coup, on comprend pas quand tu avant, parles. Avant, exprime c'était deux mois avant. Mais laisse-moi parler. T'es prof, t'es censé laisse avoir de l'éloquence, non, merde. Vous comprenez pas, son prénom, c'est juste Leblanc. Avant. Avant, c'était deux mois avant, un mois après. Maintenant, c'est plus que deux mois avant. Donc, quand on dit avant, c'était deux mois avant, un mois après, c'était en 2018. Donc, peut-être même, je pense, 2019, voire 2020. Non, parce que j'ai eu expérience, j'ai discuté de la chose avec Pauline, membre du label émérite que j'ai rencontré hier. Tu l'as rencontré hier. Pas le label Abed, c'est le label émérite maintenant. Que j'ai vu hier à l'occasion de l'enregistrement d'un flanc qui, patronnes et patrons, préparez-vous, il arrive normalement ce soir si tout va bien. Il est quasiment monté, et qui me racontait que pour son copain, si je ne dis pas de bêtises, elle était persuadée que le renouvellement était toujours possible et qu'ils avaient prévu en novembre dernier une date en sus, en lien avec le renouvellement, qui était un poil après, attends, parce que bah, ça collait bien, etc. Et que ça ne fonctionnait plus, qui mais ça fonctionnait la fois d'avant quand c'était elle. Donc ce n'est pas 2018, c'est une affaire de moi cette affaire. C'est tout récent le fait qu'on puisse plus renouveler un mois après. Hein. Et oui. Zéro communication. Zéro communication, on est sur le deuxième point. Je peux très bien aller niquer nos darons. En fait, c'est pour ça que je reviens sur le... Je parlais du contrat tout à l'heure, mais en fait, ça fait partie du truc. C'est que dans le contrat, il n'y a plus rien. Du coup, en fait, ils n'ont plus aucune obligation pratiquement. C'est-à-dire que tu leur fais un peu un chèque en blanc. Et tu sais pas à quoi tu es venu. Que ce soit les réservations, parce que du jour au lendemain, ils peuvent très bien dire « Ah bah il y a 50 personnes qui peuvent aller sur le parc en tant que passe annuel. S'ils veulent, ils peuvent. » Alors après, est-ce qu'ils auront des emmerdes parce que c'est de mauvaise foi possible? Mais je veux dire, il n'y a rien qui les en empêche. Et il y a plein de trucs comme ça, en fait. Mais je vais revenir là-dessus. Parce que il y a une absence totale de transparence sur tout. Et attends, je finis juste sur un point. On a parlé des soirées passe annuelles. Et il y a quelques temps, ils ont fait une FAQ sur le compte Insta des passes annuelles, où ils disent notamment ouais, il y a des événements régulièrement, des soirées passe annuelles régulièrement. Mais le truc, c'est qu'il n'y en a eu qu'une de soirée passe annuelle l'an dernier, que moi, je n'ai pas pu faire, parce que voilà, c'était compliqué. Genre là, cette année. Bah, il y en a pour l'instant qu'une d'annoncée. On ne sait pas s'il y en aura une autre. Max ne peut pas la faire parce que bah, voilà, il va s'acheter un ordinateur et aller au Japon. Donc, c'est compliqué. Et, je suis sorti au Japon. C'est bête, mais on paye quand même un pass annuel. Et tu n'as aucune certitude sur ce que tu vas avoir la possibilité alors qu'on te met dans la liste d'avantages. Ah, il y a des soirées. Mais non, il y en a une pour l'instant. Et l'an dernier, ils avaient dit « Ouais, il y en aura une en septembre. » Et finalement… Est-ce que par événement, ils n'entendraient pas cette merde de Personnel Showtime aussi? Bah, alors justement, ils précisent les deux. Ok, d'accord. Okay. Et avant, il n'y avait pas, donc avant, non. Telika qui dit « Un par an, c'est régulier. » Ah, techniquement. Ça veut dire qu'ils peuvent anticiper que 10 mois après, il va y avoir tant de personnes qui vont renouveler leur PA. Mais en plus, quand tu vois que finalement, sur la soirée passe annuelle, c'est la foi d'empoigne pour avoir une place. Nagla a disparu. Mais... Non, c'est pénible, c'est pénible. Non, mais moi, j'ai vraiment pas hâte de les renouveler. Il y aura une partie 5, parce que ça, c'est la quatrième fois qu'on en parle des PA, je crois. Oui. Troisième, je sais pas. Ça fait la partie 3, oui. On va y avoir une partie 4, parce qu'avec Ophélie, on va renouveler nos PA, et puis ça va être pareil, hein. Attends, on t'entend pas du coup. Il faut que je remette le lien. Ça va être chiant. Pas Nagla, hein, le live. Super. Généralement, t'es censé arriver. Nagla. C'est bon, t'es arrivé. Ah, très bien. Désolé, ouais, j'ai eu un. C'était assez hilarant de mon point de vue parce que plus il s'énervait, plus mon truc partait en couille. Et à la fin, ça faisait vraiment. Excuse-moi, Nagla, j'avais l'impression d'écouter un podcast de rien que t'y pensais là. Quand quelqu'un s'énerve. C'est vraiment le truc qui s'est vénère, je sais pas, je comprenais plus rien de ce qu'il disait. Tu peux avoir un petit silence de seconde, s'il te plaît? Non. Là, on a le contenu d'une music box. Merci. Bon, du coup, moi, troisième point de non-communication, okay. Évidemment, c'était le fait que je me pointe, il n'y a pas de rendez-vous, alors que normalement, il est censé y avoir rendez-vous, il n'y a aucune putain de communication, aucun putain de tutoriel pour t'expliquer comment faire. Là où je voulais en venir, c'est que ces trois points successifs font que... Il y a un mois. J'étais quand même... Putain de pénère. Comme tu disais, mec à l'histoire qui disait, il faut venir à midi, le mois d'avant, on nous avait dit aussi, il faut venir un petit peu avant midi, vous aurez une réservation.
Bien sûr, la caste te l'avait dit. Et là, manifestement, elle t'a dit, bah non, c'est 8h. Et genre... là, la caste, elle me fait, non, c'est 8h, ouais. Elle me dit, non, non, vous avez peut-être mal compris. Peut-être que, 8... peut-être que venir à midi, c'était pour l'ouverture de la file d'attente si DPA. Je ne sais pas si c'était la même, mais moi, quand je me suis pointé, que je lui ai fait, bon, enfin, on m'a dit que c'était à midi l'ouverture de la station. Elle m'a regardé, elle fait, bon, enfin, monsieur, depuis 8h, on pense bien que tout est parti. Mais genre, ça se fout de ma gueule en plus. Peut-être balayette. J'ai pris sur moi un peu, hein, parce que je me suis dit, eh, je suis quand même là pour leur donner 313 balles, je peux comprendre qu'ils m'insultent. C'est normal. Je suis quand même ce genre de connard, je me laisse pas. C'est un paillasson finalement. Nagla paillasson maintenant, faut m'appeler. Bref. Alors en vrai, Goodcar qui dit, faut venir midi la veille. Si seulement on pouvait planifier en amont un rendez-vous, ça serait tellement plus simple pour tout le monde de pouvoir sur internet avoir un petit créneau, comme sur Doctolib, comme pour faire vacciner. Comme pour te mettre un fucking doigt dans le. Mais sur coup, si seulement c'était aussi facile de pouvoir planifier. Si c'est bon, c'était possible de pouvoir planifier aussi facilement un moment de 5 minutes où tu donnes ta carte, où tu donnes ton RIB, tu donnes ta carte bleue et tu fais ton paiement, ou encore mieux, par exemple pour Nagla, où tu payes juste, tu mets ta carte bleue, tu je poses et tu te barres. En 3 minutes. Putain, il y a un truc qui s'appelle minutes. Internet. Et moi à quel en 5 moment on peut pas réserver sur internet de base. Et moi en 5. Tu l'as dit, Max, elle était efficace. Elle était aussi sèche qu'une porte de prison, mais elle était efficace et c'est tout ce que je veux. Et elle m'a fait ça dans 2-2, c'était terminado quoi. Je suis passé plus vite que Max Oli. Et pourtant, je peux vous dire que. Ouais. Donc... Quoi ? Comment tu peux nous dire que. On a dormi ensemble. On a dormi ensemble il y a un an pour un live karaoké. T'inquiète pas. Bref, c'est vrai qu'on a dormi ensemble. Tout ça pour dire que je pense sincèrement que Disneyland Paris ne veut plus de passeport annuel, ne nous estime plus. Parce que ce que tu as dit, Curien, tout à l'heure, c'est très très vrai sur le fait que maintenant, bah, tu as 3 lignes dans ton contrat, même plus de porte machin, tu as de la carte directement et puis pas de faire. Alors que c'est beaucoup plus cher. Je me souviens, moi, de t'es accueilli dans un endroit chauffé pour faire ton passeport, dans un truc qui est prévu pour. Avec des bornes pour te faciliter des la petits cadeaux, des fois des petits cadeaux, des gens qui t'expliquent, des gens qui s'installent, qui disent asseyez-vous, je suis assise face à vous, vous avez tout bien compris, voici les trucs à faire, on se fait la petite photo, allez, elle est un petit peu ratée, vous voulez qu'on la refasse? Ça prenait un petit peu de temps, mais c'était un petit moment convivial de bah ouais, je suis un peu privilégié, je suis en train de faire un passeport annuel, je suis pas en train d'aller prendre un truc chez Picard. Il y avait 12 putains de caisses plus 10 bornes automatiques. Peut-être que dans le pire des cas, tu as faire ça, en fait. Ça, c'est arrivé d'attendre, tu vois, dans cette file là. Ça, oui. Ça t'est arrivé d'attendre une heure, mais au moins derrière, t'étais pas accueilli comme un connard. Donc ça allait en fait. C'était bon. Ah, fait chier, faut faire l'attente. Mais du coup, c'est insupportable. T'es pas contre les classes, puisque eux aussi ils subissent ce truc-là. Ils voient bien la file et ils prennent les gens comme Max qui leur gueulent dessus alors qu'ils y sont pour rien. Donc forcément qu'ils y sont un peu. Après, si tu prends Max, c'est 5 minutes Max. Ah oui, c'est vrai. Mais non, je pense que vraiment, ils ne veulent plus des passeports annuels et qu'ils font tout pour nous mettre des bâtons dans les roues pour qu'on ne vienne plus. Je suis maintenant persuadé de ce truc-là. Parce que toutes les opérations qu'ils ont pu faire depuis un an pour ça, c'est ce truc-là. Et c'est pas parce qu'ils ont une équipe passeport annuel qui existe, qui a donc un budget, qui à mon avis a été drastiquement réduit, qui peut faire une soirée passe annuel par an. Pour l'instant, on est un peu sur cette dynamique-là depuis le retour du Covid et encore. Des shows que tu mets sur YouTube vaguement en mettant, t'arrives à faire un petit spectacle, tu le fous, passe annuel Showtime, hop, t'y vas, on n'en parle plus. Ce qui est, c'est que je pense qu'il y a du budget mis en place annuel Showtime. Je pense peut-être, qu'on utilise fortement le budget de là-dedans. Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, il y a un budget qui est défini pour cette équipe parce que bah, il faut bien que cette équipe existe parce qu'ils ont vendu le truc de cette façon. Mais ça veut pas dire qu'ils ont envie qu'il y ait des passes annuelles. C'est pas parce que t'as des preuves de ce cas et qu'on vienne pas me dire que Dreams c'est une preuve qu'ils veulent parler à leurs fans et à leurs passes annuelles. Dreams c'est une solution rabais pour faire un renouvellement facile. C'est alors tout. Moi je te dirais que c'est quand même tout simplement que ils ne veulent plus de passes annuelles et je comprends sur cette position désormais. J'ai fini. Ok. C'était ma petite démonstration. Non, bah après, je suis plutôt d'accord dans les faits, mais je suis pas. En fait, moi, il y a une hypocrisie qui m'énerve un petit peu, c'est que tu vois, on a ce côté, oui, les passes annuelles, vous êtes nos plus grands fans, on vous adore, on essaye de faire du merch exclusif, on fait des pins en édition limitée, on fait des machins, tu vois, et ça, tu l'as quand même. Et ça s'adresse pas à quelqu'un d'autre qui a des passes annuelles en réalité. Ça peut pas vraiment s'adresser à du public régulier. Regarde, Mandalorian et Grogu qui viennent, ça s'intéresse que aux passes annuelles, justement, parce que ça dure que 2 semaines, et que du coup, tous les autres n'ont pas le temps de planifier une visite.
on a ce problème-là, en fait. Pour faire des jeux vidéo, regardez, il y a Mandalorian à Paris, c'est tout. Mais je trouve que c'est une ambivalence de fou et une forme de malhonnêteté intellectuelle, parce que d'un côté, on te dit ça, et de l'autre, tu vois, et en Californie, en Floride, tu as des longues périodes où ils n'acceptent plus de nouveaux passes annuels. Et du coup, en fait, tu renouvelles ton passe annuel parce que si tu le renouvelles pas, t'es pas sûr de pouvoir en reprendre un. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. Et quand ils font des bilans financiers, ils te disent ah bah là, il y a eu trop de passes annuels, donc on a gagné moins de thunes. Mais au moins, c'est un peu dégueulasse comme propos. Mais au moins, c'est assumé, en fait. Au moins, tu le sais. Nous, on a cette ambivalence qui, je trouve, est vraiment assez insupportable, en fait, où t'as l'impression c'est bah t'es pas content, t'as qu'à arrêter d'en prendre. Bah non, parce qu'en fait c'est un produit qui m'intéresse, en fait, parce que vous êtes des connards qui avez sucé tout l'argent de l'État français et du contribuable pour avoir des autoroutes, des aires de RER, des aires de TGV, des aires de merde à la fin, chiot, hein. C'est nos sous, ça, messieurs. Alors t'es les cas 3h30 en 5-7 minutes, comme tu dis, 42 PA devant lui, 42 personnes qui ont refait leur passeport annuel devant moi, pas sur 4 caisses, sur 7 caisses. Le jour où moi j'étais il y a un mois, c'était 7 caisses. 7 caisses. Donc ça fait moins de 10 personnes par caisse. J'ai vraiment l'impression de suivre un événement incroyable, tu sais, les trucs sur la télé, là où t'as Naga qui arrive, qui fait, ouais, il est en train d'arriver dans la pièce. Il fait de l'urbex. C'est vraiment l'urbex. Qui a véritablement existé chez les lives, qui s'appelait J'irai chier chez vous. Voilà, je suis en train de faire ça. C'est vrai ? Ça a vraiment existé, ouais. Il y a eu 3 numéros, je crois. Ou 2. Avec Gaël et Bapt de Salut, ouais, de 2 minutes à perdre. Ça s'appelle aussi Une journée en vocal avec Max. Oui. Oui. Et ouais. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, merci de l'avoir écouté. Comme vous l'avez compris, je ne suis pas content. Mais ça me saoule parce que je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste. Donc je n'ai pas envie de ne pas être content. C'est vrai que McAllister a raison, Europa Park aussi ferme les ventes de passes annuelles pendant certaines périodes maintenant. Mais ouais, tu vois, au moins c'est assumé. Fantasyland, ils ont arrêté d'en faire aussi. Qu'on me le dise, que je suis plus bienvenu, ils sont pas vrais, mais dites-le moi. Ouais. Bon, attention, on aura une en plus, pardon, mais Curien qui parlait de l'histoire du fait qu'il n'ait pas eu de réservation, c'est bien la preuve que parfois, on est quand même utile, nous autres, les connards. Alors, ils ne sont pas foutus de s'organiser correctement pour monter les jauges quand ils se rendent compte qu'il n'y a personne. Ça, c'est parce que c'est des branquignoles. Mais ils sont bien contents d'avoir des passes annuelles pour remplir le parc pendant les périodes de creux. Donc, on sert qu'à ça, en fait. On n'est pas utile à eux, en règle générale. On leur casse les couilles à Noël et à Nouvel An et à... Et tout le mois de novembre, parce que bah ouais, on prend les raisins, on prend de la place, alors que bah t'as de la place dans le parc et puis t'as envie de faire quand même plus d'entrées, de ventes régulières, ça rapporte plus de thunes quand même que ces connards de PA qui gueulent tout le temps, de toute façon il n'y a pas assez de chaud pour eux, ils sont jamais contents. Mais à côté de ça, bah, en mars, on est quand même bien content d'avoir les PA pour remplir, quoi. Tiens, dans les passeports annuels qu'il y a dans le chat actuellement, même ceux qui n'écrivent pas si souvent que ça dans le chat, dites-nous un petit peu quelle est votre moyenne de dépenses par visite, bouffe et merch qu'on compris. Quelle est votre moyenne de dépenses et quelle est votre moyenne de visite ? Parce qu'au final, je pense qu'un passeport annuel sur un an doit dépenser autant qu'un clampin qui vient peut-être une fois dans sa vie. Je sais pas, une famille qui va peut-être dépenser, on va dire, 1 500 € entre la bouffe, le merch et puis l'hôtel, une famille de 3 ou 4 personnes, encore 1 500 €, je pense qu'au final, je suis quand même gentil, mais qui vient tous les 2-3 ans, c'est moins de revenus d'argent qu'un passeport annuel qui vient pendant un an. Le truc con, on est venu, à deux, on a déjà eu pour 35 balles de bouffe, on a acheté une tasse, donc on a eu pour 60 balles. On est pour 60 balles sur notre journée. On vient maintenant 4-5 fois par an. Ouais, ok, d'accord. Mais parce qu'on ne peut plus. Mais allez. Donc, c'est-à-dire que notre passeport annuel nous coûte 369 €. On dépense 60 balles par visite. On vient 5 fois par an. Ça fait 300 balles. On dépense 600 balles par an à DLP. Et au final, avant, quand on venait plus souvent, quand on venait peut-être une fois par visite, on dépensait. On dépensait 600, en plus on dépensait près de 1000 balles par an à DLP.
Donc au final, une famille qui va venir une fois tous les 3 ans, qui va dépenser 1 500 euros, moi je suis passeport annuel, si je viens une fois par mois, je dépense 1 000 euros par an. Donc au final, je vais dépenser 3 000 euros contre une famille qui vient, qui en dépense 1 500 en trop. Enfin, c'est ridicule. Trois visites par mois, 30 euros par visite. Ouais, je suis désolé. En plus, je suis sûr qu'il s'est trompé. Ouais, moi, j'ai dissocié, il y avait trop de chiffres. Non, non. Mais je sais pas. On va dire un passeport annuel qui vient une fois par mois. Qui dépense. C'est parti, il a recommencé au début. Oh, mais ta gueule, voilà. une personne qui vient une fois par mois, qui Régla. Dépense 50 euros. Sur un an, elle dépense 600 euros. Fois 3, ça fait. Sur 3 ans, ça fait 1800 euros. Une personne qui vient. Une fois tous les 3 ans qui dépense 1800 balles, bah en fait, c'est la même chose. Faut qu'on. Oh, je vous emmerde. Non, mais je suis d'accord. Par contre, il faut. On peut venir une fois par mois. Est-ce que tu peux remettre Nagla sur le live? Ouais, parce que du coup, ils n'ont pas vu Nagla, il dit coucou avec son chat. Mais personne ne l'a vu. Ils ont juste vu. Ils m'ont juste fait coucou avec Praline, mais ils n'ont pas vu. Sinon, en fait, moi, j'ai réfléchi, j'ai répondu entre 20 et 30 euros par visite. Mais c'est récent, en fait, parce que je pense qu'avant, ça aurait été plus. En réalité, c'est entre 20 et 30 euros parce que... en fait, c'est entre 10 et 15, de manière générale, mais des fois, il y a un merch. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut dire que le merchant de sable est passé? Mais du coup, ça fait monter entre 20 et 30. Mais du coup, effectivement, c'est vrai que tu te rends compte que sur l'année, quand tu vas DLP, c'est un poste de dépense qui... Tu viens une fois par mois, tu dépenses 1000 balles. Tu dépenses minimum 1000 balles par an. Entre ton passeport annuel, entre ta bouffe et puis ton merch. Enfin, 1000 balles, c'est pas... Coucou, Praline. Ouais, non, mais je suis d'accord que... Je suis d'accord que ça chiffre assez vite, en fait. Mais en fait, moi, c'est l'augmentation de prix qui me fait réduire parce que j'ai plus envie de faire des buffets, j'ai plus envie de prendre des menus, j'ai plus envie... Enfin, des formules, pardon. J'ai plus envie de tout ça. Vincent qui dit... Tu vois, Vincent dépense 600 euros de... Vincent dépense 600 euros de bouffe et merch par mois plus ses séjours. Ouais. Qu'on vienne pas de nous dire, bref, on prend pour des pigeons. Mais bon, c'est ce qu'on appelle le capitalisme. Ah, on y est. Ah, on y est. El Gran Capital. Excusez-moi, alors, je deviens de gauche. La grève de demain. Qui est plus... Ça a changé l'apéro. avant on se bourrait la gueule, maintenant c'est fini. Oh, j'ai de la vodka. Hey, j'ai de la vodka, c'est dans le cas, j'aime bien, hein. Après, si on parle de pas sûr de celle-là, c'est pas la période. Tu crois qu'on fait de l'alcool en live? Oui, c'est bon. T'es bête ou quoi? Je suis con. C'est un peu le principe, ouais. 6 mois, hein, mais bon. Est-ce qu'on avancerait pas un petit peu? Ouais, vas-y. Nagla, change le micro, on t'entend de loin. Ah bah ça! Hein? Ah, c'est peut-être pas le bon. J'ai avancé. Ah! C'est froid! Peut-être que je change le bazar. Bougez pas. Alors, ensuite, vu qu'on parlait de bouffe, transition incroyable. Ouais, je vous dis, on où on arrive? Je pense que la partie sur les spectacles, à mon avis, on la fera la prochaine. J'ai avancé. Ah putain, c'est dégueulasse! Il y a des dents dans sa bouche. On arrive. On arrive au Belanoté qui avance dans sa petite réhabilitation et l'ouverture de la future salle Lucas. Au moins, ça avance en extérieur parce qu'il y a une fresque. Voilà, il y a une fresque avec une fresque qui aurait été là déjà avant avec deux chérubins et autour les paroles de Jesus Lord en italien. Donc, il n'y a aucun rapport avec Lucas pour l'extérieur. Ça, on est d'accord. On est d'accord. Lucas est juste à l'intérieur. On est d'accord. Ouais. Tu savais qu'ils envisageaient de faire un nouveau dessert? Vas-y. Ce serait... Attends, si ta blague est bonne, j'envoie un beat. Ah. Elle est inspirée justement des décorations extérieures et ils appelleraient ça une charlotte aux fresques. Allez, c'est envoyé un beat. Moi, j'aurais vraiment pas mis de beat, là. Tu sais ce qu'on dit, une blague, c'est une blague.
Hey, Goodgar, tu envoies un bip. Goodgar, incroyable. Juste le boss. Ouais, Florian TDK, est-ce qu'on va renouveler le prix à l'an prochain? On verra. Je pense que ça va dépendre de ce qui nous de l'augmentation de prix, tout ça. Ouais, alors, ouais, alors la partie 6. Gros Yankli et... Alors, c'est pareil. Il y a un point, il y a un point aussi qui est important, c'est que moi je me suis dépêché de renouveler le passeport annuel de Margot le 4 mars parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé à partir du mois d'avril. On a un délai assez court comme là. Comme d'hab, hein, transparence zéro. Moi, j'ai un truc, hein, actuellement, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Mon pass annuel, si je le renouvelle, c'est pour deux raisons. C'est que déjà, c'est presque un truc social, c'est-à-dire que c'est là où je vais rencontrer les potes, et c'est là où c'est le plus simple, c'est le point de chute le plus simple, où on n'a pas à réfléchir. Alors peut-être que c'est une solution un peu de paresse, de facilité, et qu'il y aurait moyen de faire autre chose, tu vois, oui, autrement. Mais voilà. Ensuite, il y a un deuxième point, en fait, c'est que bah en fait quand à partir du moment où t'es pas indépendant sur ta mobilité, bah, t'as pas trop le choix que de viser des LP en termes de parc. En Île-de-France, c'est compliqué d'avoir autre chose où c'est relativement simple de s'y rendre. C'est pas facile. Bah c'est pas simple de s'y rendre. J'ai pu imprimer aujourd'hui mon passeport annuel au parc Astérix. J'avais eu un bug. En fait, je l'ai pris par mon CE et sur leur site, pour transformer ton truc de CE en un passeport annuel, ça marchait pas. Je sais pas pourquoi. Je leur ai envoyé un mail. J'ai pas eu de réponse pendant une semaine et demie. Ce matin, j'ai réessayé au pif, ça fonctionnait. Et en fait, le mail, j'ai reçu la réponse cet après-midi en disant on a mis à jour notre plateforme, c'est bon, ça devrait fonctionner. Service impec. En deux clics, c'était réglé. Il a fallu. Apparemment, on entend pas Nagla. C'est. C'est je sais pas, c'est TDK qui dit ça, mais pourtant moi je t'entends, donc je ne sais pas. Après, si c'est Max qui fait pas nimp. Mais il est sérieux là, quoi. Voilà, putain, mais j'en peux plus. Mais j'en peux plus. Ça sature. Mais quoi. Ça soulage. Mais putain. Il est parti pisser en plein live. Ça soulage, les gars. A priori, les gens entendent mal Nagla. Est-ce que tu peux voir si t'as pas baissé le son de son micro comme une buse parce que tu es. J'ai vraiment pas. Ah non, t'entends correctement en plus pour une fois. Mais attendez, ce que je vais peut-être faire, c'est je vais monter. Vas-y, parle Nagla pour voir. Oui, bonsoir. Ah, mais attends, il est où le troisième? Vas-y, Nagla, parle pour voir. Oui, bonsoir, c'est toujours moi. Bon, bah, on va faire comme ça. Hein. Je t'ai mis à fond partout. Mets-moi à fond, ouais. Et non pas. Frère, tout à l'heure, dans la file d'attente. Ah, si, on était frère dans la file d'attente. À Reims, c'est pas un problème, ma famille. Apparemment, c'est mieux. Normalement, je suis Picard, moi, c'est le cousin. Ah, parfait. Je sais plus ce que je disais. Bref, j'ai un passeport annuel au parc Astérix et le service. Ça s'est fait en ligne. Ça s'est fait, j'ai uploadé ma petite photo. Ça s'est fait, c'est deux fois moins cher. Bref, c'est efficace, quoi. Il m'a demandé trois infos, nom, prénom, et c'est tout. T'as mis quoi dans c'est tout, du coup? Ma photo. Et ils ont répondu c'est tout. Tu l'as pas mal fait. Ils parlaient de mes cheveux, je crois. Vous êtes fou ou quoi? J'ai pas du tout de calvas. Vous trouvez pas que Max il a un cadrage vraiment pensé pour être en petit cas rectangle sur une caméra? Parce que le mec, t'as l'impression qu'il est vraiment là-bas. C'est loin. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Bah, c'est... Il faudrait sans doute lever la. Ouais. Mais Max, il va vraiment falloir que tu te. En fait, Max, je suis désolé, on va faire un point calvitie. Nagla a pas vu tout à l'heure qu'il y avait toute une discussion calvitie pendant qu'il était en train de parler sur son téléphone et qu'on voyait son crâne. Mais enfin, j'ai pas de calvitie. On va dire ça au chat. Non, mais j'ai pas de calvitie, mais... c'est juste que je me les coupe court et que là, forcément, bon, bah voilà, il y a un peu. Alors, non, ceci, non. Je connais, ça s'appelle le déni. Non, j'ai pas de. Mais enfin, mais... je ne perds jamais. J'ai toujours eu ce fond. Moi non plus, je relativement suis pas gros, et c'est juste que. Non. Mais Max, je reviens sur le vif du sujet. Max, est-ce que tu peux un peu nous regarder et baisser un peu la tête? Oh, c'est Vegeta! C'est Taikashi Budokai 4! Le souci, Max, c'est qu'on a vraiment l'impression que tu te fais une crête. Je te promets, il va falloir faire quelque chose parce que je te promets. Désolé, mais. Mais
Bouge pas, Max. Reste de face comme ça. Reste de face. Regarde bien la caméra de face. Baisse un peu la tête. Un petit peu. Ouais, c'est le bad signal. Et en plus, on n'entend pas Max. Il s'est baissé le son, c'est abruti. Ah oui, parce que je voulais manger, en fait. Je voulais croquer. J'ai pas non, mais entre le bad signal et moi, je suis désolé, lequel des deux a une calvitie. Hein, comme ça, le sondage fait. Sur le chat. Bah, justement, vu, en fait, personne n'a dit que Max n'avait pas de calvitie. Justement, on était en train d'envisager de demander des dons pour financer un voyage pour qu'on aille visiter le parc en Turquie. Je peux venir aussi. J'aime bien la Turquie. C'est pas beau. C'est vrai que ça attaque le physique, c'est pas bien. Ah la vache. Ouais, mais... donc le point chaud, on verra plus tard. Est-ce qu'on parle un peu de la Floride? On a fait le point chaud à la place. Qu'est-ce qui est mute? Qu'est-ce qui est mute? Qui est mute, Florian? C'était Max. Non, c'était moi qui étais mute. Putain, mais t'es con. Si tu réenlèves le bonnet, écoute, carte, donne des bits. C'est pas mal ça. Attends, je vais donner un bit. Ah. Non, j'ai cliqué sur obtenir des bits. Attendez. J'attends que Goodcar soit chaud, hein, parce que sinon ça se fait pas. En plus, j'ai pas toujours un bonnet, vous êtes dur. C'est 100 mètres. On a un mythe de Valar et de Goodcar en même temps. Goodcar, c'est l'écho des bits. Max, par contre, faudra que tu revoies parce qu'on n'a pas du tout les alertes. Moi, je les entends, donc là, on les a sur le chat. Non, je les ai pas eu tout à l'heure quand j'ai écouté le chat, je les ai pas entendus. Je reprends un peu de vodka, moi j'apprécie ce qui se passe. Moi j'ai de l'eau. Il est bizarre ce label apéro, mais ça me dérange pas. C'est un peu décousu, mais c'est rigolo. Oh non. C'est aussi, là, c'est aussi décousu que la coiffure de Max. Il n'y a plus de coiffure. Il y a plus de coiffure, les gars. Une tier-list des plus belles calvicies chez Disney. T'inquiète. Donc la Floride qui perd ses privilèges. Enfin bref, non, le Walt Disney World qui perd ses privilèges. On s'en fout. Est-ce qu'on parlait pas des corn dogs qui augmentent? Allez. Et qui ont réduit le goût, mais ouais. Les corn dogs qui augmentent, bah ouais, il y a le mot dog dans le. Ah bah non, mais c'est vraiment écrit ça. Alors je suis désolé, donc c'est Valère qui a préparé le truc, il a écrit prix des corn dogs qui augmentent. Alors que nous, oui, en fait, c'est pas les corn dogs. C'est l'éclair augmente, mais les corn dogs. L'éclair buzz l'éclair qui. Alors l'éclair buzz monte, mais les corn dogs baissent. C'est compliqué à dire. Il y a trop de chiffres, moi ça m'a perdu. Viens, Nagla, on se refait des signes avec nos chats. Alors on refait. Je peux pas, il est parti donc... vexé parce que j'ai toujours pas donné la pâtée. Ah, donc... c'est compliqué ça. Alors. Pour revenir un petit peu sur le truc, une famille qui vient tous les 3 ans en a pour 1500 euros. Oh non. Oh putain, c'est pas. J'ai une anecdote amusante si vous voulez en attendant. Ouais, vas-y. Qui n'a aucun lien avec le sujet. Bon, de toute façon, c'est un label. Aux États-Unis, un raton laveur, donc un raccoon, s'est retrouvé les testicules collés à des rails par moins 12 degrés. Et du coup, il y a un cheminot dévoué qui a versé de l'eau chaude sous l'animal pendant que son collègue passait une pelle sous ses fesses pour essayer de le libérer. Voilà, donc si vous croisez un raccoon qui a les couilles gelées sur un rail, l'eau chaude semble être la solution. Le raccoon. Ça a changé Cosmic Rewind. Comme c'est les États-Unis, c'est écrit raccoon, donc forcément je retranscris. Comme on dit, Nagla, c'est vachement space comme anecdote. C'est vrai que c'est un peu chelou. Ouais. C'est un peu space, ouais. Bon, on va pas en faire une montagne. On enchaîne. Je vais pas vous dire sur quel compte Twitter je l'ai parce que je l'assume pas, mais c'est un compte Twitter d'actualité qu'il ne faut pas suivre. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que si tu nous l'avais donné correctement, on aurait eu une meilleure prod. Nagla, oui. Tu te souviens dans la file d'attente des PA, l'annonce que Margot avait faite, comme quoi il y avait un magasin qui avait augmenté ses prix de 10%. Ah oui, c'est vrai. Oui. Je te la laisse la patate. C'est ton problème. Oui, c'est une bijouterie. Avec le fait qu'elle ait acheté une loupe pour pub. On a une image sur un groupe privé de Margot qui nous envoie, de la compagne de Max qui nous envoie une loupe avec des oreilles du Mickey. C'est pour dire, elle a dit, je la prends. C'est presque toujours comme ça. C'est pour l'anatomie de Max. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est elle.
Il y a une bijouterie parisienne qui malheureusement, avec l'augmentation de tous les matières premières, en fait, augmente ses prix de 10%. Ce qu'on m'a bien fait comprendre dans la file d'attente des passeports annuels, comme quoi il faut que je me dépêche d'acheter une bague. La pression. Si, tiens, goût de cœur, s'il te plaît. Parce que si Valaret regarde le live, j'aurai des problèmes incessamment sous peu. C'est toujours un peu comme ça, nos apéros, Céline, mais pas forcément à ce point-là. Là, c'est un peu extrême. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. S'il te plaît, Goudgar, il faudrait potentiellement que j'achète une bague avant l'augmentation des 10%. Il faudrait... Cette bijouterie... Il veut des bits. Cette bijouterie... Cette bijouterie, c'est vraiment comme Disneyland Paris. Hein. Cette augmentation, mais tu sais pas quand. Enfin. Moi, je propose un truc. Si on envoie des bits, Max doit acheter une bague à Margot. Je suis chaud. C'est dans la merde, Max. On est des gros chiens, putain. Merci, Good Car. Et moi, je balance un pit. Tu viens vraiment... Merci, Valar. Tu viens vraiment d'acheter des bits. Mais c'est ta propre chaîne. Bah oui, mais... Tu viens de perdre de l'argent. J'ai vraiment hâte de faire une vignette... On nous envoie des bits pour YouTube. Après, il y a un top 3 bits qui n'a pas bougé depuis très longtemps, quelque part. Oh, il est loin aussi. Hein. C'est vrai qu'il est loin. Ouais. Alors, il va falloir mettre beaucoup de bits. Si vous voulez garder le top 3 bits, n'hésitez pas à en envoyer. Max, une carliste sur les... Non. Les meilleurs bits de rien que d'y penser. Les meilleurs bits, s'il a pas eu la tête. Ouh, allez, donc. Scandalisé par ce Parce qu'il faut quand même avancer. Ah bah oui. Le saviez-vous, le prix des chambres du Disneyland Hotel risque fort d'augmenter. Mais non. Il y a quelques petites rumeurs qui ont circulé. Et hier soir, je crois, comme quoi, en fait, le Disneyland Hotel ferait une demande pour passer en mode palace. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je m'en bats les couilles, mais voilà, on nous l'a dit. En fait, merci à DLP. En fait, merci à DLP Rescue Ranger pour l'information. En gros, c'est au-delà de la cinquième étoile. Pour être en palace, tu dois répondre à certaines exigences. Tu as des gens qui viennent checker. Tu vois, c'est un petit peu comme les étoiles dans les hôtels ou au guide Michelin, tu vois. En général, les gens qui ont fait des vrais palaces ou des vrais 5 étoiles te disent que les étoiles de DLP sont quand même hyper surévaluées. Mais c'est pas des vraies étoiles, c'est eux qui se les donnent eux-mêmes. Je crois que ça a changé un petit peu parce qu'ils ont avec le programme de réhab quand même. Mais à mon avis, ouais. Tu vois, clairement, les chambres du Sequoia Lodge. Complicado l'avocado, comme on dit. Ouais, c'est ça. Vous savez que tous les soirs, Natacha Rafalski en fait fait une prière. Quand on prie les 5 étoiles. Très bien. Cela dit, que rien, ce qui est intéressant avec cette info, c'est que c'est une info qu'on donnait déjà dans Rien que d'y penser il y a 5 ans. D'accord. Parce que moi, je me souviens des podcasts qu'on enregistre ensemble, mais ça fait très longtemps qu'on dit que les hôtels, quand ils sont réhab, le but, c'est aussi de monter le prix à la fin de la réhab. Comme ça, tu fais une... Oh, merci TDK, t'es un génie. Oh là là, TDK. Merci TDK. Oh là là, TDK. Oh là là, TDK. Oh là là, TDK. Et ce qui nous permet de dire bonsoir aux Fabs, à Madame Wayne, à Mike Callister qui nous a déjà parlé, Flag of the Jones et Petit Silou. Oh, yeah, bien, incroyable. Bonsoir à vous et bravo pour votre sub offert. Merci. Merci beaucoup, TDK, le boss. Le Fabs qu'on va retrouver avec nous dans un label et l'apéro très très vite, à la fin Alors, du mois. TDK, a priori, l'argent ira plutôt sur la Turquie que sur le mariage, là. Curien, est-ce que potentiellement tu pourrais envoyer la carte bleue pour que je puisse payer mon mariage à DLP? C'est pour faire un podcast. Excusez-moi, il est où le formulaire pour rentrer dans l'assaut? Je veux me marier dans pas longtemps. Vous allez tous vous calmer bien fort. Je vais devoir réquisitionner l'argent puisque je viens de recevoir un SMS qui me dit que mon paiement de Netflix a été refusé. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Je pense qu'il faut envoyer... ton numéro de carte bleue directement via ce SMS. Je vais faire ça. Mais du coup, est-ce que vous m'envoyez de l'argent? Parce qu'en plus, c'est moi qui paye Netflix. Je le vole à personne. Ouais. C'est faux en plus, t'es sur le mien.
Bah oui. Il a mis du temps, putain. J'allais réagir là. Attends deux secondes. Bah, t'es sur mon Disney Plus. Hein. Ah oui, non, mais c'est un échange de bons procédés. On va jamais pouvoir le faire. Putain. Mais si, c'est bon, t'inquiète, on va avancer. Pire, c'est pas grave, qui est-ce qui va râler? Margot? J'ai déjà reçu un message. Alors, classique d'habitude, on finit à 20h. J'ai déjà reçu un message en me disant j'ai faim. Elle a eu des plus grosses couleuvres à avaler. Bah, pas forcément. Et des plus petites aussi. Bah, quoi, des couleuvres? C'est une image! Des couleuvres, avaler des couleuvres, voilà. Alors, c'est une expression. C'est une expression. Alors, la langue de vipère, curieux. Le saviez-vous, Margot a mangé au Cobau Cookout samedi midi. Elle était ravie. Ah. Je me suis acheté un poulet rôti avec Ophélie. Ça m'a coûté 9 euros. J'ai mis de la sauce barbecue dessus. Bah, c'était moins cher qu'un Cookout. Alors, on s'est quand même posé la question avec Nagla si on prenait l'assiette du shérif, là, l'assiette du trappeur à la carte. Est-ce que oui ou non si on prenait le gros plat ou le gros plat? Ah, c'est pas ça. Non, mais... c'est pas non, ça. On s'est posé la question. Si on avait les frites, si on le prenait le plat à la carte. Vous n'avez pas demandé? Parce que, parce que c'est dans l'assiette. Alors, c'est pareil. Mais il m'a mis le doute, Max. Parce que sur le menu, c'est pas écrit les frites. Sur les autres plats, c'est écrit qu'il y a des frites, mais sur celui-ci, non. Après, on avoue qu'on n'a pas non plus demandé s'il y avait oui ou non les frites, parce qu'on a attendu aussi longtemps pour avoir à bouffer que les passeports annuels. C'est vrai. Ah, ouais. C'est le problème. Hein. Les files d'attente, c'est vraiment tu lances un D20 et si tu fais moins de 15, t'attends une heure. Hein. Et le saviez-vous, à 14h30, il n'y a plus de tarte aux noix de pécan à DLP. Oh ouais Il n'y avait plus de tarte aux noix de pécan, c'est incroyable. Ouais. La meuf, en fait, la caissière devait aller voir ses copains derrière pour dire réserver une noix de pécan. Et on a eu aussi ce moment un petit peu gênant où le gars pose un plateau, nous dit je vous mets tout sur le même plateau. C'est drôle. On a dit oui. On a dit oui. Il nous a filé un plateau de coca et un plateau avec les... Il y avait vraiment un plateau avec deux verres de coca. Et finalement, deux plateaux. On s'est regardé avec Max et puis on a fait... Il y a vraiment le gars où il a pris son... Il a mis le verre de coca en dessous de la machine. Il a pris le plateau et après, il a attendu. C'était long, c'était incroyable. Ça a été très long, ouais. En fait, je pense qu'ils avaient un problème en cuisine à la base parce qu'il y a eu un embouteillage qui s'est formé, mais après les caisses. C'était après où la récupération du plateau, c'était long. Peut-être qu'il y avait un cauchemar en cuisine. Peut-être. Oh, énorme cauchemar en cuisine. On passe à la suite. On part aux Pays-Bas. Oh, quelle horreur! Alors, on va vraiment parler de cette. En parlant des Pays-Bas, info hyper importante, Max, c'est... priorité au direct. Ouais. Max Verstappen a gagné le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. Donc, rien à foutre. Très compliqué cette année, Red Bull et fait la course en tête dès la première course avec une avance. Il a gagné la course à Bahreïn, comme dans On s'en bat les reins. Et Charles Leclerc. Charles Leclerc, il a abandonné à cause d'un problème moteur, on dirait Max. Ouais. On peut dire qu'il a fini à Auchan. Je vais faire cœur à bouffer. Et du coup, ouais, donc Droomvliert a rouvert ses portes. Ah, mais attends, en fait, tu as fait la musique de Fata Morgana. Oui, alors c'était un point Efteling. On parle de Droomvliert. L'objectif, c'est de caser un point. Fait semblant que ça avait pris des doigts comme si ça avait quelque chose. Envie de me prendre. Rien que la musique. Mon objectif, elle me... dans chaque label à après un Grand Prix, ça va être de parler du Grand Prix. Donc là, en fait, vous avez eu Droomvliert en libre de droit parce que ce n'est pas du tout la mélodie de Droomvliert. Si, le début. Ouais. la première note. Oui, en mesure. C'est bon, la première note en transposant. Et du coup, effectivement, on a Droomvliert qui a rouvert après sa réhabilitation. Donc, à noter, les gens s'extasient beaucoup sur les éclairages qui sont vraiment très réussis, très novateurs. Ok, les fans de DLP. Très retravaillé. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. En revanche, il y a eu quelques petits soucis. Donc apparemment, il y a une brume qui est censée être présente dans certaines scènes et qui n'est pas encore là tout à fait de manière récurrente, on va dire. Et les fameuses... Il y avait deux des planètes, tu sais, sur la scène où il y a les planètes avec les châteaux dessus, là. Il y en avait deux qui s'étaient pété la gueule pendant la réhab et elles n'ont pas encore pu être remises.
Donc, en fait, c'est pas tout de suite en place. Alors, je vais le redire, ok DLP, il n'y a que DLP, ou est-ce que durant une réhab, on te pète le décor qui ne revient pas après la réhab? C'est vrai. Ouais, mais la différence, c'est qu'ici, on l'a su, alors qu'à DLP, je suis pas sûr qu'on l'aurait su. Et à mon avis, si, à DLP, ils auraient mis... Et la différence aussi, c'est que ils ont mis 6 mois à faire la réhab, alors qu'à DLP, ils auraient mis 6 ans. Et voilà. Ok, Small World. C'est incroyable, voilà. Hein, Small World, ça fait un an et demi quand même. Et l'autre point Efteling, c'est le restaurant Panorama qui sera remplacé. Tout à fait, oui. Le restaurant Panorama qui est remplacé par... donc, c'était le restaurant qui était en bordure du lac. Là où vous aviez les... Non, c'est pas nous. La petite promenade en cygne. Et également, c'est l'endroit où vous avez en face, donc, avant Monsieur Cannibal et désormais, l'attraction... L'impression de revoir mon premier podcast il y a un an. Sur... Sinbad. Et donc voilà, vous avez Panorama qui va être remplacé, donc effectivement en gardant ce thème et une nuit Sinbad pour le mois prochain. Ça rouvre mi-avril après une fermeture début janvier. Alors ce qui est cocasse, c'est qu'ils auront donc mis 3 mois à réhabiliter le restaurant et à changer son thème, changer sa carte probablement, qui était plutôt perfectible, et sachant que c'était un grand restaurant, hein, qui était dit, je crois que c'était un des plus grands du parc, qui était divisé en 2 parties, une partie self et une partie à table. Et donc ils vont revoir les deux. Ils vont refaire tout ça bien. Ils bossent avec le groupe La Place, je crois, sur ce restaurant. C'est pas eux qui l'opèrent directement. C'est pas le groupe Flo, hein, comme dans ce village. Et surtout, en fait, ouais, en 3 mois, c'est fait. Alors que à côté, si tu compares à Disneyland Paris, ça va faire 8 mois que on a l'agrandissement du Plaza Garden qui est du Belenote qui est censé avoir lieu. On a le Fuente del Oro qui est fermé depuis mi-novembre et qui va rouvrir pas avant juin pour ajouter une fucking terrasse. Et on a aussi le Agrabah Café qui ferme à la fin du mois, qui rouvre a priori en juin. Qui a fermé à la fin du mois dernier et qui rouvre en juin. On ne sait pas pourquoi, donc plus de 3 mois. En fait, on n'a aucune info et probablement des changements moins drastiques à chaque fois que ce que va faire Efteling sur son restaurant en 3 mois. Je viens de revenir, on est sur le point réhab ? Non, on était sur le point resto d'Efteling. Ah ! Tu feras gaffe, Valérie, il y a un tentacule sur ta caméra. Mais prends-lui, t'es sur le clavier, il est tout neuf. Ça va, vous voyez bien ? Salut, Praline. Ensuite. Oh putain. Moi, on peut constater une absence. Oh putain. Ah ouais, c'est incroyable. Je bouge mon chat ou c'est ça? Non, c'est mieux, hein. Vas-y, laisse. Oh putain. Tu feras gaffe, elle a un peu de cire dans les oreilles. Non, je sais pas, je trouve qu'elle a les oreilles un petit peu noires. Je sais pas. Oh la pauvre, tu lui as explosé. Mais non, regarde, tac. C'est fait pour. Oh putain. Ouais, je suis d'accord. Oh la vache. Bon, donc, bon allez, bouge, putain, tu me saoules. Allez, à plus, ça dégage. Alors, non, le Ludwig, ils ont mis un mois et demi à faire un pub anglais qui n'a finalement, qui est toujours le Ludwig, en fait, derrière du maquillage. Est-ce qu'on passe à la suite vite fait, le studio 1 va changer. Le saviez-vous ? Le studio 1 va changer de thème. Alors, à partir de la fin de l'année. Là, on ce sont des rumeurs. Du spéculatif de... Oh putain. Ça, c'est le point chat de Valar. Ça fait mal. Clipez-moi ça, les modos, histoire qu'on ait un clip par semaine de Valar et de son chat, s'il vous plaît. J'ai vraiment l'impression d'être dans une soirée FM. Ça fait longtemps que je ne suis pas en Il a dit FM pour les gens qui n'ont pas l'habitude avec un F FM. Comme dans... Nagla, est-ce que moi, vous n'avez pas...
Ça savait pas Nagla que tu avais un cheveu sur la langue. Je fais les soirées FM avec Nagla et Curien, et c'est marrant, et je me fais fouetter, et je suis en bas de toute façon. Alors, il y a des rumeurs qui courent sur Studio 1, parce que avec le renouveau du parc Studio, je vais fêter ce renouveau. Oui. Oh, puis merde, allez-y. Et bah, Studio 1, il va changer. Voilà, merde, démerdez-vous avec ça. Ça nous vient de Ali sur Twitter, qui est une source d'information vachement fiable. Et je suis sérieux quand je dis ça. Généralement, tout ce qu'il dit, c'est plutôt réalisé. Donc, ça parlerait de laisser les façades de la boutique, donc du côté gauche quand on monte son cul à l'entrée du parc. Et par contre, les façades du côté restaurant seraient bougées, elles seraient partiraient. Et il y aurait ne beaucoup d'arbres artificiels à l'entrée du parc. C'était vraiment un point de vue qui était très compliqué à comprendre. On peut le faire au bureau des passeports annuels. Attends, il y a le mec en bas à gauche de mon écran qui a parlé avec des chiffres incompréhensibles pendant 20 minutes. Mais non, t'écoutais pas, tu veux la nuance. C'est facile. Une famille qui vient tous les 3 ans, qui dépense 1500 euros. Ouais. Elle dépense 1500 euros en 3 ans. Ouais. Alors qu'un passeport annuel qui dépense 50 balles une fois par mois, il dépense 600 euros en un an. Fois 3, il dépense 1800 euros. On a perdu 3... on a perdu 2 viewers, 3 viewers. Plus les 900 euros de passeport annuel qu'il met, 1000 euros de passeport annuel qu'il met en 3 ans, en fait, le mec, il dépense 1300 euros de plus qu'un mais il vient plus souvent, donc ça compte pas. Max, j'ai une question. Et au final, le mec, il dépense plus. Non, mais c'est le ratio. 1500 euros par an pour avoir le ratio. Pardon, excusez-moi. C'est le ratio nombre de visites versus ce qu'il dépense qui est intéressant pour DLP. C'est ce ratio-là qui doit être élevé. Non, mais il a toujours pas compris, c'est pas grave. Au final, DLP réfléchit mal. DLP réfléchit peut-être un petit peu mal en se disant au final. Viens, Curien, on se barre, on va manger. Let's go. Allez, moi, je suis chaud. Tu viens, on se fait un petit resto là. Ouais, je prends la voiture, j'arrive. Ok. Tu peux me prendre en passe? Non, d'accord. Alors. Alors, ce qui est rigolo avec Valar, c'est que là, il a fait ça, et d'habitude, il aurait fermé sa fenêtre navigateur et il aurait disparu. Et tout qui traîne par terre, ça fait mal au pied. Oh putain. Bonsoir, Valar. C'est un peu décousu, votre affaire de live, je trouve. Alors, en temps normal, ça va, mais là. Il y a 15 jours. Il y a qu'un jour, Nagla, quand tu étais avec nous, que tu n'étais pas là, ça allait très bien. Hein. Oui, c'est vrai. La semaine dernière, c'était au poil. Hein. En fait, il faut que ce soit Nagla et moi, et puis Valar et Curien de l'autre côté. en parlant de ça, on profite, petit point backstage. Valar la semaine prochaine, on n'est pas là, Nagla. Et Pauline avait parlé de faire un live sur les Oscars. Hein, les films d'animation, je crois. Comment ça, vous êtes pas là? Moi, je suis en conseil de classe. Moi, je suis chez Valar et c'est un peu compliqué. Comme tu peux le voir, il a une caméra qui est un peu légère. Vous attendez que moi, à 18h, je puisse lancer un label et l'apéro? Vous rêvez. Ouais, plus tard. Tu peux le faire plus tard. Ouais, je peux le faire plus tard. Oui, bah, vous êtes gentil, mais j'ai aussi des choses à faire. Donc, ça ne va pas être possible. Si vous voulez un live de Nagla dans la rue, comme tout à l'heure. Et ben voilà, tu annonces aux gens au chat et qui va pleurer qu'il n'aura pas de live la semaine prochaine. Voilà. J'en ai bien peur. Bah après, on verra ce qui se passe exactement, mais je vous avoue que là, ça me semble complicado l'avocado, comme on dit. C'est mon expression, bordel. Non. Donne-moi un beat. J'en ai pas acheté, je vais pas en acheter juste pour te donner un beat. Bah, nous, j'en ai acheté. Vas-y, attendez, mange lui, j'ai faim, moi. Finissez votre live là. Tout le monde te demande de passer ton Twitter en noir, espèce de délinquant. Je suis en train de le faire. Je sais même pas. C'est quoi le sujet suivant, Valar? Est-ce que tu peux Merci Valar. Parce que avec Max, c'est pas possible, on n'arrive à rien. Tu sais, je repasse mon truc en noir. C'est-à-dire que Valar il mâche. Valar, il nous reste encore deux sujets à parler. Il y a un sujet, la Floride annule les privilèges de Walt Disney World, mais ça fait plusieurs fois qu'on le tease, mais en fait on s'en bat les couilles, je pense. Et il y a aussi le point rumeur sur le Futureland des Walt Disney Studios, mais il n'y a pas de lien. Bah en fait le problème c'est que Curien a mis ça sur DCP, et je trouve ça un peu chiche de balancer un visuel DCP comme ça. Alors on l'a fait il y a un mois.
Et mais casse pas les couilles, j'ai la faim d'aller chercher. Et du coup, la news qu'il faut retenir, c'est que Nagla va pleurer parce que le Land Star Wars, il s'éloigne autant que vos cheveux reculent. Oh la vache, belle comparaison. Et oui, a priori, on partirait sur un Land de Roi Lion après Frozen. Donc c'était 2025-2027, je crois. Range cette corne, Nagla. Et on partirait sur un... Land de Roi Lion, sur un Land Avatar, il s'est mis 30. Oh, c'était super agréable l'ouverture de paquet sur les oreilles. Merci, Nécurien. Bonne fois que c'est moi. Voilà, merci, c'est un Wookie qui ça a couvert mon bruit de chips. Vache. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est incroyable. C'est là qu'il faut un petit peu meubler. Voilà. Il y a Céline non, qui, en fait... qui demande pourquoi on est. Non, mais non, il faudrait se refocus deux secondes, sinon on va pas avancer. En plus, c'est un sujet qui est intéressant. C'est vous là. Et je sens que. Gros, ça c'est vous. C'est toi qui fais des paix ou paix ou et des. Ah, parce qu'on me demande de réagir, je réagis avec des pouit pouit, voilà. Super. Donc en gros, ensuite. C'est triste. L'info qui est sortie donc sur le site WDW Magic par je sais plus quel gars, Moon Knight je crois, c'est que a priori pour l'extension du parc Walt Disney Studios, en sus du land prévu, de Lac Promenade dont on n'a pas parlé d'ailleurs, mais on sait que maintenant le fameux bâtiment au fond à gauche n'est pas un restaurant mais est un pauvre comptoir avec des chiottes dedans. Qui c'est voilà. Qui suce. Et donc, après ce lac promenade et Frozen, donc on aurait un troisième land qui serait un land basé sur le Roi Lion. Roi Lion. Et il y aurait a priori un ride aquatique. Ouais, ça parle d'un ride aquatique. Ça parle d'un land qui serait divisé en plusieurs parties, avec une partie plus savane et une partie plus jungle au Timon et Pumba, notamment. Ouais, et ça parlerait d'un flat ride de type rotatif. Et une partie cimetière des éléphants. Ce qui est énorme en fait, donc j'y crois pas des masses, je vous avoue, sur le côté trois parties. Mais le reste, c'est une rumeur en particulier, mais ça rejoint beaucoup d'autres rumeurs différentes. Donc faut se dire que la direction est probablement effectivement celle-là. Par contre, les détails, ça peut toujours, on sait, il peut y avoir des petites détails. Ça peut encore changer ce que dernier moment. En termes de ride, il y a effectivement un dark ride aquatique de type plouf plouf. Un truc qui mouille, vraiment un truc qui mouille quoi, et qui serait potentiellement basé sur les véhicules à la fois un peu de Pirates des Caraïbes de Shanghai et à la fois de l'attraction Vaiana qui avait été teasée pour Animal Kingdom. Ouais. Donc là la question c'est pourquoi on n'a pas directement un land Vaiana, parce que le Roi Lion je pense que c'est plus safe. C'est porteur comme licence. Il y a combien vous avez dit qu'il y a 30 animatroniques je crois. Alors ça parle de 30 animatroniques de grande qualité et de 10 scènes principales, ce qui est énorme. C'est beaucoup. C'est vraiment, vraiment grand. Si on faire une première réaction. Caraïbes, attends deux secondes. Si on compte Pirates des Caraïbes, je crois que c'était à peu près sur la même ampleur. Voilà. Tout le même ratio. Donc on ne prend pas Rise of the Resistance, une attraction révolutionnaire, et on va nous mettre des bûches. Il y a des bûches à Bagatelle. C'est un downgrade, cette histoire. Mais non, mais c'est juste que Rise of the Resistance, ça a la tête d'une moule. Downgrade, si vous me permettez juste 3 secondes, c'est un downgrade sur lequel on va pouvoir planter droit baobab à la con et dire « Regarde, c'est une scène, regarde, c'est la savane, c'est trop bien. Hey, »« Eh, regarde, cimetière des éléphants, il y a deux os là qui se voient, etc. » Connais deux os, voilà, c'est tout. Et une cascade, oh c'est joli une cascade. Je dis pas le contraire, c'est très joli une cascade. Ça va être un peu naturel. T'inquiète pas, Nagla, il y aura des écrans. Downgrade, c'est une réduction de budget. Le Land Roi Lion, c'est facile à faire. Et le problème, c'est que Rise of the Resistance, c'est pas fiable. Il y a des pannes de 40 minutes tous les jours. Quand on n'est pas foutu de faire un truc, la solution, c'est pas de se dire on le fait pas, c'est d'essayer de trouver des solutions. Alors, je suis pas tout à fait d'accord quand tu dis que c'est une réduction de budget. Moi, ça coûte cher, l'eau. On va attendre de voir. Mais la façon dont ça m'est vendu, 30 animatroniques, combien d'animatroniques dans Rise of the Resistance ? Il y a quoi comme technologie dans Rise of the Resistance ? C'est comment ça ? Attends, est-ce qu'on peut, je peux reprendre les arguments les uns après les autres. 30 animatroniques, si c'est des gros animatroniques stylés, c'est beaucoup aujourd'hui pour un ride Disney. Disney ne fait plus des rides à la Pirates des Caraïbes où tu as 80 animatroniques mineurs.
ça n'existe plus trop. Ils font plus trop ça. Aujourd'hui, quand ils font des animatroniques, ça va un peu plus loin. On le voit dans le campus, tu as un animatronique, c'est Iron Man, tu vois. Alors, je dis pas, il faut plus. Et bien sûr, et il faut qu'il soit un peu plus intéressant aussi, parce que Iron Man, il est cool, mais il est un peu limité quand même. Mais 30 animatroniques, c'est beaucoup. Pour le coup, c'est est-ce pas... Est-ce que je peux juste rebondir là-dessus? Ouais, on sait qu'a priori il va y avoir une scène cercle de la vie qui sera cycle de la vie qui sera un peu la scène finale avec le truc. Du coup, on est d'accord que sur les 30 animatroniques, a priori, il y en a 20 qui sont autour du cercle et qui sont juste des animaux qui font comme ça avec Zazu éventuellement dans un coin. Je pense que ça, ce sera de l'écran. Je pense que tu fais du nombre avec de l'écran. Oh, si, sûr, j'y crois sûr. Pas. J'y crois sûr. Pas. Moi, vraiment, je pense que ça va être un truc très plat, quoi. Avec, oui, un petit truc en bateau. Les attractions aquatiques, on est sûr, en plus, que ce sera populaire. Mais c'est bagatelle, quoi. Moi, je dis pas qu'il faut pas faire de parc d'attractions aquatiques, c'est pas ce que je dis. Wow, mais l'ambition Disneyland Paris, si aujourd'hui, on est sur des bûches... Non, mais t'es toujours dans... C'est ton côté... C'est ton côté producteur de vidéos, ça. T'as un côté très, très dans les superlatifs et dans l'exagération pour faire du clic. Mais je comprends, c'est bien. Regarde, il y a des viewers, là, c'est cool. j'ai fait une remarque. Je suis désolé, je suis vraiment dégoûté. Non, mais... Alors, au-delà du fait que, oui, Star Wars, etc., mais j'ai l'impression qu'on va avoir un land qu'on a vu mille fois, le thème Afrique. Mais... Si vous écoutez la file d'attente il n'y a pas très longtemps, là, le thème Afrique, c'est un des trucs qui est le plus surutilisé de partout, quoi. Il y a un truc qui est très important à dire. C'est que je pense que si ils font ça, je pense qu'il y aura quand même de l'ambition. Maintenant, ça c'est une fois que c'est dit, on sait déjà. Alors déjà, la deuxième attraction, a priori, ce serait une rethéma des tapis d'Aladin. Sur le thème. C'est vraiment ce qui est dit. C'est vraiment ils vont le prendre et enfin le fucking déplacer. J'y crois moyen parce que ça fait quand même des années qu'on dit que ça va finir par arriver. Donc voilà, j'y crois moyen. Après, tant mieux si c'est fait sur le thème. Donc, tu sais, je voudrais déjà être roi, tout ça. Donc, côté un peu. L'idée est cool, encore une fois, mais enfin, si on s'est gossé du flat ride de réponse, alors là, j'aime autant vous dire qu'il y a matière à rire. Tout à fait. Mais là où, en revanche, là où je te rejoins, en fait, c'est que pour moi, ça n'a rien à foutre à cet endroit-là et qu'on a une zone, comme tu dis, on a une zone africaine, on a une zone jungle qui existe déjà. Et dans laquelle une attraction aquatique, croyons, serait géniale. Ah oui. Et serait vraiment le truc qui redonnerait du peps, on va dire, du dynamisme et de la jeunesse au parc Disneyland, et notamment à sa moitié gauche, qui n'a quand même pas bougé depuis 28 ans, même plus. Ouais. Bah c'est Adventureland. Adventureland, Frontierland, ça n'a pas bougé, ça n'a fait que perdre des attractions depuis des années. Bien sûr. Donc là, effectivement... Tu le mets là, franchement, 10 sur 10. Ça me semble être vraiment l'idée de génie, l'investissement parfait. Et même moi qui en ai ras la casquette du Roi Lion, et pourtant j'ai un bonnet, je prends. Par contre, nous foutre un fucking land Roi Lion autour du lac du Parc Walt Disney Studio, ça me déprime. Disneyland Paris a un besoin vital de franchir un cap. De se dynamiser, de se rénover et de se rajeunir. Le Roi Lion, alors ok, il n'y a pas eu de... Le Roi Lion, ok, il n'y a pas eu de... Il n'y a jamais eu de ride parce que c'était à l'époque où Eisner voulait moins mettre sur les parcs parce qu'il s'était cassé les dents avec Disneyland Paris. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu très peu de rides sur tous les succès Belle et la Bête, Roi Lion et compagnie. Par contre... aujourd'hui, il y a eu des rides sur une partie de ces films-là, La Petite Sirène, La Belle et la Bête à Tokyo et compagnie, mais des spectacles, ils sont dans tous. On n'en peut plus. Il y a une saturation du Roi Lion qui est ma boule. On en a marre dans Mickey le Magicien. On suranalyse la scène de Mickey le Magicien, notamment parce que tu as les rythmes de la Terre qui font qu'au bout d'un moment, on en a soupé en fait, du Roi Lion. C'est pire que ça. En fait, c'est très proche de Mogador. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont entre les rythmes de la Terre et Mogador. C'est un truc qu'on a vu mille fois. Et puis aussi Dreams et Lilu. Mais Curien, c'est terrible. La vie et machin. C'est terrible, Curien. On aurait pu dire exactement la même chose. Au moment de la sortie du film live, c'est l'un des films qui a le plus cartonné. C'est, je crois, le film live qui a le plus cartonné, alors que c'est un putain de copier-coller et que c'est peut-être l'un de ceux qui a été le plus critiqué. C'est... La licence est puissante, indéniablement. Après, ça, c'est relatif, tu vois. Le Livre de la Jungle a aussi très, très, très bien marché et pourtant, il a totalement disparu des parcs depuis. Ouais, bien sûr. On se posait la réflexion, même en mer, je suis... Non, c'est vrai, c'est vrai. Plus rien.
Donc ouais, je sais pas quoi dire. Enfin franchement, mais ça me déprime hein, le choix du Roi Lion et me déprime et je suis totalement contre. Mais 1,6 milliard au box office de dollars. Pour moi, tu peux pas dire que c'est une coupe budgétaire parce que ça va coûter cher en R&D en fait. Max, ton texte dépasse. Je sais. De toute façon, je pense que c'est mais un mais débat. Mais vous avez un ami aussi, arrêtez de nous laisser parler, nous on fait des podcasts, c'est bon. Bah, le truc, c'est qu'on a déjà, on a déjà fait un label apéro là-dessus, non ? Non, mais on avait moins de détails sur ce nom. Ouais, puis vous aviez balancé des insanités sur Avatar. Non, mais troll mis à part, je suis très gêné aussi par cette espèce de musique qui monte, comme quoi Star Wars, ça sera un truc un peu terminé. Je terminé Nagla, je conçois pas. Je suis fan de Star Wars. Si je peux, aussi, je peux juste développer 3 secondes. Qu'est-ce que tu dis dans le sens où on dit ouais mais Star Wars ils y croient plus Disney et c'est pour ça ils y vont plus parce que clairement la dynamique elle est ailleurs. La dynamique cinématographique évidemment qu'elle est ailleurs, il y a pas eu de Star Wars depuis 2019. Moi je vous rappelle juste que la postologie actuellement, c'est 4,5 milliards au box office. 4,5 milliards, c'est colossal. Rogue One, c'est 1 milliard lui-même. Solo, il a fait un peu moins, mais même Solo qui fait un petit peu moins, qui a un échec parce qu'il a coûté une fortune, mais ça, c'est un autre problème, il est à 400 millions. C'est des chiffres qui sont énormes. Et aujourd'hui, Disney ne balance pas du Star Wars, c'est parce qu'ils ont des problèmes internes. Il y a tout un tas de papiers qui commencent à sortir. A priori, ils ont un plan sur 5 ans qui est enfin conçu et qui devrait commencer en 2025. On devrait avoir une liste de films avec des... Bah si, c'est bien le problème. Mais... des projets, ils en ont. Parce que, justement, c'est un cash flow facile. Une fois que tu sors un Star Wars, tu fais 1 milliard au box-office. C'est quasi automatique. Donc, ouais, Avatar, c'est combien ? Un film d'Avatar, c'est combien ? Non, mais Avatar, c'est un... Je sais pas si c'est le débat qu'on veut avoir, mais évidemment que Avatar, là, actuellement, c'est Avatar, plus puissant. Parce qu'ils font 2 milliards à chaque fois, voire 3 pour le premier. C'est pareil, plus de 5 milliards sur les deux derniers films d'Avatar. Tu l'as dit aussi, Le Roi Lion, le film live, c'est combien ? C'est près de 2 milliards. C'est 1,6 milliard. C'est 1,6 milliard. Ça sert à rien de parler des. Ça marche aussi. Et Le Roi Lion, on rappelle qu'il y a un autre film en préparation. Ça sert à rien de parler des films. Ouais. En fait, Star Wars dans les parcs, ça fait 5 ans que c'est des échecs sur échec. Non. Ça, je serais jamais d'accord avec ça. Je suis désolé. Hein. Batou, ça a pas le succès escompté. C'est pas la même chose. C'était en panne tous les 4 matins. Peut-être se calmer sur ça. Non, on avait regardé les sacs avec Curien. C'est vraiment en panne tous les 4 matins. C'est un cauchemar. Il y a Antoine. Ouais, Antoine, on a de la BTM, c'est un problème. Tu veux et pas ils veulent pas d'un deuxième BTM, ils veulent pas d'une attraction qui soit. Et d'autant plus que BTM, il a. Ouais, BTM, mais t'as pas de tour des attractions. Ouais, mais BTM, il y a un land autour. Là, t'as une attraction qui est plus problématique que d'habitude. Dans un parc où il y a plus de problèmes de fiabilité que les autres. Et si tu mets ça uniquement dans ton land, c'est ta grande nouveauté, et tu te retrouves avec des journées où pendant 3 heures, t'as rien parce que. Là, on en est à une heure de panne quasi quotidienne, voire même plus d'une heure aux US. Mais c'est parce que ça a été plus pendant des années, tu vois. Non, mais bien sûr. Mais après, on sait que le public est. Après, la logique voudrait qu'ils apprennent, mais on sait que ça marche pas comme ça à Paris. Ça fait 3 ans que l'attraction elle est là quasiment. Mais je suis pas en train de vous dire que l'attraction elle est parfaite. Bien sûr qu'il y aurait des problèmes. Le problème, c'est que c'est l'attraction la plus ambitieuse qu'on était en train de la voir à Paris et que là on est en train de se contenter de ne pas la voir. C'est un échec l'attraction. Non, ça n'est pas un échec. Le dernier projet Star Wars en date dans un parc, c'est le Galactic Star Cruiser. Je suis désolé, ils sont en train de baisser les prix. Valar, tu sais très bien pourquoi c'est un échec. Le Galactic Star Cruiser. Mais il y a plein de raisons, c'est un échec. D'accord, mais le fait qu'ils fassent les mauvais choix veut pas dire que c'est. À ce compte-là, oui, ils auraient fait la même chose avec Avatar. Nagla, tu bosses dans une grande entreprise, tu sais comme moi comment c'est. Bien sûr, je sais. Quand tu as un projet, une licence qui centralise 1, 2, 3 échecs ou semi-échecs. Non, mais bien sûr. Je suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'ils annulent. Bah écoute, on va pas. C'est sûr qu'ils annulent. Je suis pas en train de dire que c'est pas ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils ont dans la tête actuellement. J'en suis assez persuadé. Moi, je dis qu'ils ont tort de partir de ce principe pour se dire que c'est la même chose que de se dire qu'effectivement, je vais balancer une vidéo sur Dragon Ball qui va partir dans un endroit très très jeu vidéo. C'est littéralement un truc qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. La vidéo a fait un bide monumental pour une raison X ou Y. Dragon Ball, ça parle pas aux gens. Il y a un type, je vais vous raconter une anecdote de chez Webedia. Vous en faites ce que vous voulez. L'une des premières interactions que j'ai eues avec Webedia à l'époque du rachat de JV,
C'est un type qui devait m'expliquer comment ça marche Facebook. Bon, pourquoi pas, il connaissait bien, etc. Et le mec me dit, tu vois, à ton avis, ce poste-là, pourquoi il n'a pas fonctionné ? Donc je regarde, c'était un poste sur Pokémon, et je dis, bah, je sais pas, peut-être que parler des vieux jeux, c'est peut-être pas une bonne idée, peut-être que machin, je donnais des amis. Il me regarde et puis fait, non, je pense qu'il faut être plus clair, Pokémon, ça n'intéresse pas les gens. Donc ce genre de réflexion, ça existe dans toutes les grosses boîtes. T'as des réflexions à la con comme ça, des conclusions hâtives qui sont tirées, et évidemment qu'après un énorme pognon mis sur Galaxy's Edge, qui est peut-être un échec, mais je pense pas que c'est la faute de Galaxy's Edge, mais qu'il y a plein d'autres raisons qui font que. Le lancement, la méthode de lancement était pourrie, le choix d'aller dans cette timeline-là, l'échec de la post-logie fait que ça a amené à ce truc-là, Rise of the Resistance qui sort en deux temps, enfin bref, il y a plein de trucs qui peuvent expliquer ça. Ça peut amener à la conclusion que Star Wars, c'est un échec. Mais c'est une erreur, faire oui, Star Wars, non, on vient de pas me dire que c'est un échec aujourd'hui. D'accord, pour toi, c'est une erreur, ok. Mais le truc, c'est que... Maintenant, on est d'accord. On a parlé Galaxy's Edge, on a parlé Star Cruiser. Maintenant, on va parler Disney+. Boba Fett, flop. Obi-Wan, Andor. Semi-flop. Andor, flop. Non mais attendez. Mandalorian, carton, ok. Mais tu vois, t'as trois déceptions et un gros succès. C'est compliqué mais de leur dire. Boba Fett n'est pas un flop parce que les gens voulaient pas regarder. C'est un flop parce que c'est raté, Boba Fett. Mais c'est un flop c'est quand un même, flop en fait. Parce que les chiffres sont pas bons. Ils s'en fichent de savoir pourquoi c'est un flop. Mais là, ils s'en fichent pas de savoir pourquoi. Mais le problème, c'est que... alors à ce compte-là, regardons, la Haute République à côté de ça, elle cartonne. C'est comme si tu faisais un pari sur le PSG en Ligue des Champions. C'est à un moment donné, faut assumer. Oui, bon, je dis pas le contraire. Il y aura probablement des bons parcours de temps en temps, mais de manière générale, c'est compliqué. Encore une fois, je suis d'accord avec vous sur ce constat-là. Évidemment que eux, en tant qu'entreprise, c'est ce qu'ils se disent, mais je considère que c'est une connerie parce que c'est pas le cas. Et tu sais là où on va revenir, c'est que à mon sens, Star Wars n'est pas fini. Je pense que Star Wars n'est pas fini en tant que licence. Ce serait débile. Ça serait jamais fini. Par contre, clairement, c'est le moins bon moment ever pour lancer un projet sur Star Wars sans visibilité. Parce que alors que justement, il y a un plan de 50 films, s'il se fait vraiment. Non, mais c'est le moment idéal pour le faire. Le plan de 50 films, il était fait il y a 10 piges et ça a été un bide qui a abouti là où on en est là. C'était pas un plan, justement. Une post-logie. Oui, mais ça revient au même. Une post-logie qui a fini par un peu foutre la licence dans le dur. Bien sûr. Quoi qu'on dise. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. Bah non. Non. Si, bien sûr que si t'es en crise, c'est une assurance. Sur un parc, il faut une assurance. Ils ont une assurance. Ils sortent Dark Vador et le Mandalorian, c'est un carton. Non. Mais non. Bien sûr que si. Il faut attendre que les films sortent, que ça relance une dynamique et là, ils prendront. La dynamique, elle est là. Regardez les Mandaloriens, regardez Dark Vador. La dynamique, elle est là. Dark Vador, ça n'a pas marché, Obi-Wan. Mais Obi-Wan, t'as dit semi-flop, ce que je trouve déjà dur. C'est un succès pas autant qu'ils auraient voulu. Non. 600 millions, c'est moins bien que Moon Knight. Tu vois pas un Lord Moon Knight ? Je sais pas de quel... j'ai pas les chiffres. Je te parle d'Obi-Wan. Eh ben, 600 millions. Ça fait 600... Mais on est sûr de ces chiffres-là. Moi, je suis toujours très... Mais Nielsen, tout le monde... Bah, c'est le seul qu'on a, je sais bien, mais bon. Mais c'est moins bien que Moon Knight, quoi. Enfin, à un moment donné... Personne va dire que c'est pas un bide, la série Obi-Wan, mais c'était quand même un truc qui venait avec des arguments massus, qui revenait pour vraiment séduire tout le public de la prélogie, et finalement... Il faut se calmer sur la hype prélogique, mais ça c'est autre chose. C'est le programme racoleur par excellence, et ça bah oui. Moi j'aime bien l'épisode 1. Merci. Non, pour moi, Star Wars... Est-ce que je peux en casser une, putain, je parlais depuis tout à l'heure, excusez-moi. Il parle pas, je dis rien, puis après il dit je veux parler. Mais oui, putain, je vais prendre la parole, mais vous écoutez une pas. Qui dépense 1500 euros. Oh, je t'emmerde, Valar. Mais... Valar, tu sais que la semaine dernière, on était le 3-3-23. Oh mon 3. Dieu, c'est la dernière fois qu'il y aura 3 fois le terme 3 à la fin. On a loupé ça. J'ai faim. Je l'ai relancé. J'ai une dalle. Il y a Antoine qui dit que certes, Star Wars a une fan base. À une communauté de fans qui est beaucoup plus grosse, mais que le Roi Lion attirerait beaucoup mieux les notes que Star Wars. C'est un fait aussi. Je pense qu'à Disneyland Paris, ils se disent plutôt on va aller viser notre putain de famille qui veut bouffer du Disney à Disney. Et qui va dépenser 1500 euros. Mais qu'une famille qui veut pas bouffer du Star Wars. Enfin, en fait, non. Je pense qu'actuellement aussi, ce qu'on oublie, c'est que les gens, quand ils viennent à Disney, ils veulent bouffer du Disney. Je pense qu'ils doivent avoir une frustration. Certes, ils sont contents de bouffer du Star Wars, ils sont peut-être contents de bouffer du Marvel aussi, mais est-ce que ça les frustre pas aussi un petit peu de ne pas avoir les derniers Disney qui sont sortis, type encore des trucs comme ça. Enfin, le Roi Lion, pardon. Max a raison. Après, tu vois, soyons très honnêtes, on a tous dit il y a 15-20 ans,
peut-être moins maintenant parce que voilà, on a bouffé des spectacles dans tous les sens, mais nous on est un public qui a bouffé des spectacles dans tous les sens. C'est pas le cas forcément de tout le monde. On a tous dit, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas d'attraction au Roi Lion. On l'a tous pensé une fois dans notre vie. Bien sûr. Et maintenant, comme on s'est dit pendant près de 70 ans, putain, il n'y a aucune attraction de Mickey. Ils en ont fait une en Californie. Mais il y a le merch aussi. Je pense que ce choix du Roi Lion, il est quand même fait par la présidente de Disneyland Paris aujourd'hui, c'est Natacha Rafalski, qui vient quand même d'un bagage très financier. Je pense que sa décision, elle est très chiffrée. Et il y a un truc très simple, en fait. C'est-à-dire que le Roi Lion voit des nouveaux produits systématiquement, tout le temps. Star Wars aussi, enfin. Pas tant que ça. Pour une licence qui a mille fois plus de production, pas tant que ça. Va dans Star Trader, c'est toujours la même chose. Ils en sont à un niveau où ils importent les produits de Galaxy's Edge. Bah oui, mais ça c'est une chose, d'accord, mais ça veut pas dire qu'il y a pas des nouveaux trucs produits à côté. Pas vendus aux US, on rappelle. Mais donc c'est le succès. Mais, enfin, mais, alors le nouveau merch du Roi Lion, déjà je veux bien qu'on me le présente, et ensuite est-ce qu'on fait la liste aussi des choses qui n'ont pas marché chez le Roi Lion? Vas-y. Alors la garde du Roi Lion. Bah, ils en ont fait un show. Ils en ont fait un show. Ils sont arrivés péniblement à la saison 3. Il n'y a jamais eu de saison 4. Ah, et 3 saisons, c'est pas péniblement mal. Péniblement la saison 3, c'est pas mal. Hein. Non, parce que la 3ème saison, elle a mis du temps. Mais Megan, à Disneyland Paris, au final, ils ont fait pendant 3 ans de suite une saison Star Wars qu'ils ont arrêté. Alors qu'au final, le Roi Lion est présent dans tous les shows. Si c'était une licence si puissante que ça, il aurait peut-être fallu. Et les gens demandent. N'aurait pas eu aussi peu. Après, c'est aussi serpent qui se mord la queue. C'est qu'au final, DLP propose beaucoup de Roi Lion. Donc les gens vont dire, ah, oh, c'est génial le Roi Lion, on en vend encore. Oui, donc DLP va proposer du Roi Lion. Machin. Bon, ça, c'est le truc basique. Alors qu'au final, bah, tu vois, ils ont quand même fait la Jedi Academy. Et puis, un jour, ça s'est arrêté. Et puis ils ont jamais essayé de renouveler en faisant un show Star Wars en continu. Je pense qu'au Discovery Theater, ils avaient de quoi faire un show Star Wars à côté de Star Tours. Et en face de ça, Hyper 60. Ça n'a jamais été fait. C'était des cas qui a raison, je suis désolé. Hein. En réalité, le choix, il s'est porté là-dessus parce que c'est plus facile de faire un Land Roi Lion. C'est une solution au rabais, cherchez pas plus loin. Je suis persuadé de ça. Pas sûr, le Star Wars, il existe. Hein, c'est... Alors, je suis d'accord sur un point, c'est que le Land Star Wars, le Galaxy's Edge qu'on aurait eu, aurait été quéquette, en fait. Oui. Ouais. Les plans qu'on a vus, t'aurais vaguement une place, un vaisseau et une attraction. Et en fait, si c'est pour avoir une place, un vaisseau et une attraction, ça existe déjà. En tant que Land, je dis pas l'attraction, bien sûr, voilà. Mais du coup, c'est quoi ton argument de vente quand tu fais ça? C'est compliqué. Quand tu fais le Roi Lion, c'est beaucoup plus simple. Tu sais que si tu fais une attraction aquatique, mine de rien, même si tu as des gens qui seront déçus, tu auras toujours cet argument de dire enfin une attraction aquatique à Disneyland Paris que les gens réclament depuis des années et des années, tu vois. Et une exclusivité et un truc sur le Roi Lion. Enfin, je veux dire, tout est positif dans ce truc-là dans la tête de Disneyland Paris. En fait, prenez-le comme un dashboard marketing. Est-ce que c'est cher? C'est moins cher? Est-ce que c'est facile à faire? Oui, c'est plus simple. Non, c'est pas plus simple non plus. Il faut quand même avouer aussi que s'ils avaient vraiment voulu faire depuis le temps une attraction aquatique à Disneyland Paris, ils auraient profité d'avoir Tiana et puis de balancer au fond d'un land à la con. Hein. Juste autour du lac. Hein. Non, parce que le problème, c'est que Tiana, tout le monde s'en fout en France. Il y a Florian Tedeka qui dit un truc intéressant. Discovery entier devrait être thème Star Wars. Et de toute façon, les rumeurs dont on parle là, à la fin de la rumeur, à la fin de l'entrefilé, on peut faire la suite, ouais, effectivement. Il dit Star Wars, c'est pas abandonné. Potentiellement, il y a des possibilités qu'un jour, ça arrive à Discovery Land. Et moi, je trouve que c'est la solution idéale, en fait. Il parle pas de Rise of the Resistance. Et de Jedi Adventure, c'est abandonné ou pas, du coup? A priori, ça parle de. De quoi? Indiana Jones Adventure. Tu sais, dans le sens où les trucs abandonnés, jamais abandonnés, mais qui reviennent tout le temps, mais qui reviennent jamais. Et ben, au final, il va y avoir un cinquième film. On fait la suite de la rumeur, peut-être, s'il vous plaît. Vas-y. Dans l'ordre. Il parle pas de Rise, effectivement. Donc je pense que Rise, c'est mort. Effectivement. Donc, sur Discovery Land, il parle non pas de Rise, mais il parle d'un. En fait, il parle d'un trône thématisé Star Wars, quoi. D'un moto-coaster sur Star Wars. Ouais, un cinquième coaster à Disneyland Paris. Sixième, septième. Mais les coasters, ça marche en Europe. Oui, d'accord. Les coasters, les gens attendent ça. En fait, je dirais que le problème, Valar, là où je rejoins Nagla, c'est que les coasters, où il manque, c'est studio.
Ouais, c'est vrai. J'ai un coaster familial à studio parce que je pense que sur Bitron, si t'as sur un truc de moto. Oh non, il va recommencer. Oh non, mais. RC Racer est considéré comme un coaster. Un chiffre simple et normal avec. Parce que RC Racer est considéré. Oui, parce que RC Racer est considéré comme un coaster, alors que finalement, c'est pas un coaster tel que. Dans 2,5 Valar. RC Racer est considéré comme un coaster. Sauf qu'en fait, c'est un coaster qui est multi pété parce que c'est juste un. Putain, mais fais de chier, bordel. RC Racer est. Je croyais que c'était une merde. Ah, ok. J'ai plus second degré, je crois. Mais du coup, on sait qu'il manque un coaster familial au studio. Et c'est vrai que ça aurait été plus intéressant de voir ça. Excusez-nous, Sam B a raison. En fait, il y a deux coasters au Disney Studio parce que Flight Force aussi est un demi-coaster. Et donc voilà. Ok. C'est vrai, ça dure. Elle est validée. Mais je suis d'accord avec ça. Maintenant, ouais, qu'est-ce qu'on en pense à la limite si on revient là-dessus sur ce système de coaster, motocoaster Star Wars au fond de disco. Chiant pour effectivement le manque de coaster au studio, ça pour le coup c'est sûr. Hein. Mais après, pas mauvaise idée, moi j'aime bien. Si c'est un truc comme a dit Summer le Gomma Shanghai, ça va être vachement intrusif, ça va pas être joli. Hein. Ah, si c'est en mode Star Wars, je pense qu'ils vont. Mais on s'est moqué de Shanghai. On s'est moqué de Shanghai qui avait deux. Enfin, on se moque, façon de parler, parce qu'ils ont des trucs, donc on est jaloux. Mais deux coasters les uns derrière les autres. Non, ça c'est en Floride. Peut-être, mais en tout cas, cet endroit où il y a Tron et Space qui est fait au même endroit, c'est quoi. C'est peut-être, mais je veux dire, putain, on va avoir vraiment Discoveryland qui va encore avoir un truc nouveau en mode, vas-y, finalement, c'est du Star Wars. Non, ça n'a aucun sens. Pour moi, cette rumeur, elle n'a aucun sens. Je ne suis même pas persuadé qu'il y ait la place de faire ça. Si, t'as la place. T'as beaucoup de place. Et justement, ouais, la réflexion qui est, c'est que, et effectivement, c'est en cours. Ils sont en train de bosser sur le parking des cast members. Qui est situé là, derrière Space, derrière Filaire Magique, dans ce coin-là. Et ils sont en train de réduire son emprise au sol pour en faire un parking, je crois, sur plusieurs niveaux, si j'ai bien pigé. Et c'est aussi pour gagner de la place à cet endroit-là, donc pourquoi pas, tu vois. Enfin, ça pourrait indiquer qu'il y a des projets, effectivement, là. Après, est-ce qu'ils seront validés, c'est pas dit, tu vois, mais... Toujours non, pareil. Mais... Hein. Là, on est sur de la rumeur à plus long terme. On est sur un horizon 2030, de toute façon. Donc, absolument pas crédible. Mais on sait tous que ça va probablement être annulé et changé 5 fois d'ici. C'est pas crédible du tout. Oui, on est d'accord. Goodcar qui fait la liste de tout ce qu'on pourrait transformer Discoveryland en Star Wars Land. J'ai les deux secondes. Le Discoveryland européen transformé en Star Wars Land. Ça serait mais un scandale absolu. Qu'est-ce que tu fais C'est déjà un scandale absolu, Discoveryland. Justement, réparons-le avant de le péter, non bon. Non, mais tu mets de la Terre à la Lune, comme a priori, c'est ça l'objectif. Après, moi, je suis d'accord pour dire que Star Tours et Star Wars, en règle générale, c'est une autre vision du futur et que ça se justifie, pourquoi pas. Ouais, ça se justifie bien. Ça se justifie bien avec une attraction au fond du land à l'ouverture. Au final, à partir du moment où tu fous Buzz l'éclair, les différentes visions du futur qu'on avait avec De Vinci, avec Jules Verne et puis avec George Lucas, c'est pété avec Buzz l'éclair. Et puis l'histoire derrière, je veux dire, le land thématique, le truc un peu stylé, ça va être quoi? Ça va être taré, et puis ouais, c'est un coaster, vas-y, monte sur ta moto. Oh, je vois bien un truc sur les motojets, ces trucs comme ça. C'est du valable. Ah oui, mais... Et par contre, j'avoue que les coasters indoor, j'ai un peu un scepticisme, hein, parce que la théma des coasters indoor, ces derniers temps, on a quand même eu Hyperspace, on a quand même eu Flight Force. Si on a un retour de la Terre à la Lune, j'attends de voir ce que ça donnera. Il y a le reboot de Flight Force qui devrait plus trop tarder d'ailleurs. Ouais, super. Dans 4 ans, le machin il vibre, que rien, il monte plus dessus en disant ça fait mal. Enfin, je veux dire, il aura raison. 4 ans le machin. Non, le coaster, une fois qu'il sort 4 ans oh après. Oh non, t'as le temps de voir. Déjà. Le truc de moi après il vibre et rien. Parce que toi tu le dis souvent et que t'as raison de le dire. Mais c'est pas. Voilà un sondage. Des coasters qui ont 30 ans, tu vois, pas des coasters qui ont 4 ans, on n'exagère pas. Voilà un sondage. Est-ce que tu as rien casse-couille? Non. T'as raison sur Star Wars pour le coup. Non, mais sur Space et sur Flight Force, faut les retraquer, c'est tout. Mais. Non, mais dans les faits, je pense que sur. En tout cas, sur ce. Je sais pas trop quoi penser de cette idée de coaster au fond. Moi, je préférerais autre chose qu'un coaster, honnêtement. Si pour un truc au fond de disco sur Star Wars, pourquoi pas faire toute une zone Star Wars derrière Space. En soi, ça me dérange pas. C'est et puis je pense que couper le fond de disco en deux, couper Space en deux, le côté
le côté où il y avait Pizza Planet, tout ça. Ça me dérange pas non plus parce que je considère que c'est un endroit un peu bizarre où il n'y a pas grand chose à voir de toute façon et où tu as juste à longer space. Donc finalement, si tu en fais un cul-de-sac pour créer une zone un peu plus poussée, ça me semble pas trop gênant. Ils le font très très bien avec, je trouve, hein, à mon avis, ils le font très bien avec Fantasyland et les Toon Studios en Floride et en Californie, où les Toon Studios, en fait, c'est un peu un truc complémentaire à Fantasyland, le côté un peu enfantin, logique, tout ça. Je viens de voir une très bonne blague de la part de Goodcar. À la place de Buzz, une attraction on shoot first the ride. Je prends tout le temps. Ce serait drôle. Et de toute façon, le Star Wars Land, s'il existe, c'est comme tu dis, c'est hypothétique. Hein. Par contre, la rumeur fait état d'un palier intermédiaire entre le Roi Lion et Star Wars. Ça serait un Land Avatar qui arriverait. Et qui serait basé donc entre 2027 et 2030, donc on compte 2030 toujours, et qui serait basé sur la version californienne du Land Avatar. On a eu aucune information sur la version californienne. Bah, les rumeurs qui couraient là-dessus, c'était que potentiellement Navi River Journey, donc la deuxième attraction, serait transformée en une sorte de raft. Ouais, c'est ce qui court. Ce qui me questionne pas mal. Donc bah, ça après, ferait deux trucs aquatiques au studio. J'ai même presque même envie de dire trois, parce que finalement... Frozen, et trois, Frozen. Frozen, ça ne mouille pas, mais c'est quand même un jardin aquatique façon... Après, il y en a beaucoup. 0 à 3 en 10 ans, ils sont forts. Du coup, est-ce qu'on peut dire qu'on a notre parc aquatique à DLP? Non, mais on l'a aussi au parc avec Pirates des Caraïbes, avec Small World, avec Pirates des Caraïbes, Small World, et puis les inondations au niveau des tapis roulants. Ça marche. Et de Avengers Campus aussi. Et des Fantasy Gardens. Et de la boutique du château et de la file de Buzz. Ah, ouais. Et Goodgar qui dit ça fait quand même beaucoup de nouveautés en peu d'années. Non, justement, c'est pas des nouveautés, c'est un plan d'investissement normal en fait. Il n'y avait pas eu des rumeurs sur web. Et tout, c'est. C'est un après, c'est... Non, mais sur cette rumeur, faut vraiment tout prendre avec des pincettes. C'est sûr que si, honnêtement, si tu nous dis on a vraiment le Roi Lion, Avatar et un rail de Star Wars à Disco d'ici 2030, je pense que, je peux me tromper, je pense que nous quatre on signe. Ouais, mais j'y crois pas. Moi, franchement, Roi Lion, probablement, Pandora, peut-être, Star Wars, certainement pas, ou pas dans la forme où c'est prévu et ça va et être recraché, ravalé 15 000 fois. Quoi. Et en plus, pour moi, s'il faut une nouveauté au parc Disneyland, ce serait sur la moitié gauche qui est très très bien, qui est magnifique, qui est un chef-d'œuvre, mais à un moment... Je sais même pas si je signe, si je suis très honnête avec toi. Les problèmes que j'ai, c'est que... Tu risques d'être déçu sur l'avenir, alors si ça, tu sais. Bah, peut-être, on verra. Et je serai premier très enthousiaste quand je découvrirai et que je trouverai que c'est cool, si c'est le cas. Mais le Roi Lion, admettons, je considère toujours que c'est un land au rabais, mais admettons. Le Avatar, je n'imagine pas un truc aussi complet que ce qui existe ailleurs. Ce sera un petit truc coincé entre la Frozen et Cars Road Trip. Et donc, tu perds complètement toute l'envergure du truc. Non, il y a Ali sur Twitter qui disait que le pad d'expansion correspond à la taille de ce qu'on a de ce qui existe. Je pense dire qu'il y aura le même budget. Je pense que je crois plutôt à cette idée qu'on aurait la même version qu'en Californie. Et je ne les vois pas faire un truc au rabais en Californie, parce que les Californiens sont quand même informés de ce que tu as en Floride un petit peu. Et du coup, tu ne peux pas vraiment te permettre de faire ça d'un côté et ça de l'autre, tu vois. Même s'il y a une différence, elle peut pas être si majeure que ça. Et je suis désolé, le coaster Star Wars ne me hype pas. Non, mais moi non plus. Mais je me dis, c'est tellement loin. Il me hype pas de ouf non plus. C'est tellement loin que, en fait, j'y crois même pas. Enfin. Non, j'y crois pas non plus. Mais on a tellement vu passer de rumeurs ces dernières années que le truc Star Wars, c'est ok. Peut-être que c'est ce qui est prévu à un moment T. Et que de toute façon, ça va changer. On a tellement eu de trucs qui ont été prévus, qui sont arrivés, qui sont repartis. Voilà. Goodfair, ça serait beaucoup par rapport à ce qu'on a eu comme extension dans les années 2010, c'est vrai. Et quoi qu'il arrive, j'aurais toujours là, au travers en de temps, la on gorge. On n'a rien eu dans les années 2010, mais. En travers de la gorge, le fait que l'attraction qui a priori sera au summum pendant encore des années, parce qu'a priori il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de projets d'énorme envergure, eh bien, elle ne sera pas à Paris. Oh, je suis pas d'accord. Pour moi, l'attraction qui va être révolutionnaire. C'est l'attraction Marvel. C'est rien. Elle a l'air d'avoir eu quelques coupes budgétaires quand même, Valar. Ah ouais, ça a l'air de beaucoup plus se baser sur c'est la projection rien que dessus. Rise, enfin, c'est dit. Le truc qui. Alors, il y a eu des coupes aussi, toujours. Hein, mais c'est le truc qui a été. Mais même les pires
haters de Star Wars vont là-dedans et disent j'avoue, ils ont fait fort. Oui, mais alors t'imagines pas le nombre de haters d'Avatar parce que t'en es un. Mais je te jure qu'il y en a bien plus. Et pareil, ça n'entache pas du tout la réputation du Land Pandora et de l'attraction Flight of Passage, qui est vue comme une merveille. Il y a deux trucs que je veux voir à Disney World, c'est évidemment Galaxy's Edge et c'est Pandora, le Land au global et Flight of Passage. J'adore voir ça et je m'en bats les couilles de Avatar, je me suis fait chier. Les gens, le nombre d'avis dithyrambiques sur Pandora est vraiment atroce sur les films. Sont je suis très honnête. Très honnête à 100%, mon problème avec Flight of Passage, c'est que depuis, j'ai fait quelques... Flying Theater, merci. Et que j'aurais beaucoup de mal avec cette idée que si je ne suis pas placé au bon endroit, je n'ai pas une expérience optique. Moi, j'ai vu que c'était mieux à ce niveau-là, mais je ne sais pas à quel point. Parce que... Déjà, la position ne serait pas la même. On ne serait pas en position assise comme dans un théâtre, mais à califourchon sur un truc. Et puis, il y aurait moins c'est ça, de... C'est ça, tu es en train de monter quelque chose. Moins de sièges aussi par écran, peut-être. Et du coup, c'est un peu moins... Je suis d'accord, mais tu vois, j'adore l'extraordinaire voyage au Futuroscope et j'arrive à passer outre les défauts. Mais sur Flight of Passage, paradoxalement, le fait d'avoir une meilleure mise en situation, justement parce que tu montes à bazar, que la file d'attente et que tout ça, alors que l'extraordinaire voyage, la salle, elle est un peu... Bon, bof. Je serais tout de suite cassé par le fait que je vois le bord de l'écran ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment cette crainte-là vis-à-vis de ce truc. Et pourtant, j'ai très très envie de découvrir Flight of Passage. Et j'ai peur que ce soit fait au rabais à Disney, ce truc. Je suis désolé, j'ai vraiment cette crainte qu'on ait un Avatar Land au rabais. J'ai pas envie. Il y a Magalister qui dit un truc super intéressant et je suis entièrement d'accord avec lui. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de discussion plutôt positive sur DLP et ça fait du bien. Et je suis d'accord parce que pendant quelques temps, je me suis dit, merde, il n'y a rien de prévu, il n'y a aucune rumeur qui sorte. On est bloqué sur Frozen et rien après. Et même si ça reste du projet Blue Sky, même si jamais on a rien de concret, moi, ça me fait du bien de faire des plans, de théoriser. Je peux dire ouais. En fait, je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle, justement. Parce que pour moi... non, mais je vais m'expliquer. Parce que pour moi, en fait, ça renvoie à l'époque où on n'avait aucune visibilité. Ça envoie à l'époque 2015-2018, avant l'annonce, où, et même avant, en fait, avant 2015, c'est l'époque où on ne savait rien. On ne savait pas où allait le resort, où limite, tu pouvais te dire d'un mois à l'autre, ça se trouve, dans 6 mois, il ferme, tu vois. Enfin, sûr que non, mais c'était pas des discours qui étaient si rares que ça. Et en fait, je trouve qu'on revient à ça parce qu'on a une absence de visibilité, de confiance dans ce qu'ils ont dit. Parce que les annonces qui ont été faites, on va même le dire, depuis une semaine, elles ont 5 ans. Ouais, c'est fou ça. L'extension a 5 ans. Et on n'a pas le deuxième land, pas le troisième land. On ne sait même pas quel va être le troisième land. Et donc, on en est à revenir dans une nécessité où si on veut parler de quelque chose, parce qu'on veut parler de Disneyland Paris et de son futur, parce que c'est ça qui nous... C'est ça qu'on veut, et ben t'es obligé d'aller dans la rumeur. Et c'est pour ça, à mon sens, que les rumeurs reprennent. Bien sûr. Mais parce qu'on n'avait pas besoin de parler de rumeurs en 2019-2020. On n'avait pas besoin. Du vide. Ouais, mais tu vois, moi, je parle juste d'un point de vue psychologique. Ça me fait du bien de me projeter alors qu'il y a un an ou deux, je me projetais pas dans DLP. Le problème, Valar, c'est que ça rappelle un peu les belles années de DCP. Parce qu'au final, là, on peut le dire. Bon, c'est parti sur un site de Disney World et puis au final, après DCP, il est retombé dessus. Mais ça rappelle un petit peu les belles années de DCP sur le topic rumeurs et développement divers, où au final, utiliser des trucs comme ça, alors que pour repartir sur la période 2016, 2017, 2018, 2019 même, en fait, on balançait les actualités au niveau des shows qu'il y avait, on balançait aussi les points réhab qu'il y avait du plan de renchantement, mais par contre, on n'avait aucune visibilité, aucune rumeur, il n'y avait rien qui faisait vivre. Mais Max, il ne se passait rien, on se faisait chier, et là, on est en train de revenir à une époque où on se fait chier, c'est pas positif en soi. Je suis d'accord sur le fait que c'est agréable là, de discuter ensemble, mais vraiment, remettez-vous dans le contexte, vous avez attendu, vous avez suivi ces topics et vous vous êtes hypé sur des trucs, et au final, vous avez eu Ratatouille, et 8 ans plus tard, vous avez Frozen. Eu... Marvel, et certes, 4 ans après Frozen. Ça valait le coup de se hyper et de suivre le topic, voilà, en 15 piges de suivi du topic, voilà ce que vous avez eu. Pardon, mais j'ai pas envie de me retrouver dans un cycle de 15 piges. Je peux faire un truc, vite fait. La dernière extension, le délai entre les deux extensions de Disneyland Paris, c'est 11 ans. Ratatouille, Frozen, 11 ans. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais. Est-ce qu'on peut faire une minute de silence. On déchire, moi.
Et donc, quand on dit « Ouais, dans les années 2020, il y a plus de trucs », bah en vrai, il faut attendre la moitié déjà. En tout cas, attendons encore moins de 6 mois que les premiers, comment on appelle ça, permis de construire, je pense, vont tomber aussi. Les premiers permis de construire vont tomber aussi. D'ici, je pense, 6 mois, on aura un peu de visibilité. Parce que ça veut dire que dans deux ans et demi, on est censé, il y a l'ouverture de Frozen. Et sachant qu'il leur faut environ 3 ans pour construire un land, si c'est 2017, c'est qu'on est en 2024. Mais clairement, dans un an, on est censé avoir les premières nouvelles. On saura d'ici un an grand max pour le Roi Lion. Oui. C'est obligatoire. Si on ne sait pas d'ici un an, c'est que c'est sachant même qu'au final, ils ont eu les permis de construire bien longtemps après avoir annoncé par exemple le restaurant ou le lac. Peut-être, ouais, je pense d'ici 6 mois, ils vont peut-être commencer à faire les annonces. Et puis d'ici un an, on aura les permis de construire avec les premiers concept art. Les premiers plans de travaux que Ali aura le plaisir de nous partager sur Twitter. Et après, effectivement, outre le côté on a des plans de développement, tout ça, et on est obligé de reparler. Je reviens sur ce sujet-là. C'est en 2018-2021, il n'y avait pas besoin, en fait. Parce que tu avais de l'actualité relativement au quotidien. Alors, on se posait peu de questions sur l'avenir, mais on savait qu'il y avait des trucs qui venaient. Là, on en est à un point où on ne sait plus, où tout prend un retard monstrueux. Et où ça fait un an et demi qu'on a le même show sur Total Planet. Et où tous les points d'interrogation. Ouais, non. Tous les points d'interrogation de cette extension. Demandez ce que ce serait le show. Tous les points d'interrogation de cette extension sont. On donnait rien du tout. Tout ce qu'on s'est dit. Ah, c'est vachement flou derrière la tote. Tiens, est-ce qu'ils vont refaire la tote? Tiens, est-ce qu'ils vont refaire Motor Action? Tiens. Est-ce qu'ils vont mettre l'attraction? Ce plan a été coupé. On a eu est-ce le que, oui ou non, ils vont mettre syndical le... des annonces et même ça, Star Wars a dégagé. Est-ce que oui ou non, on se posait la question, ils vont mettre l'attraction sur les aliens à Toy Story Playland? Et est-ce que aussi on aura peut-être un resto? On était arrivé à un point minimum. Est-ce qu'il y aurait un resto, au moins un petit point bouffe à Toy Story Playland? Actuellement, en fait, on sait juste qu'on aura 2 statues et puis un chemin qui va mener au lac. Et comment vous voulez que je me hype sur le Roi Lion? Vous avez vu ce que c'est, les trucs? C'est au rabais, les amis, c'est un downgrade. Je suis désolé, hein. Je resterai sur cette montagne et quand j'aurai tort recrache. Dans 4 ans, et ben vous vous foutrez de ma gueule. Vous aurez raison. Je crache ton hélium, mais oui. Mais la petite beauté. Touche pas à mon apéro. C'est à cette heure-là que je crois l'émission, je sais pas. Allez. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez, Gilles Verdès? Non mais c'est vrai que c'est on est dans une époque. C'est Hanouna. Oui. Petite beauté, c'est Hanouna, oui. Non, c'est vrai que c'est très triste en ce moment et qu'effectivement on en a un point où les annonces c'est difficile d'y faire confiance quoi. C'est très difficile d'y faire confiance quand vraiment réécouter le podcast qu'on a fait en mars 2018 avec Parcourama quand on s'est dit 2 milliards, il y a Galaxy's Edge, bon, il y aura au moins la grosse attraction, a priori, pas sûr que ce soit le land complet. Voilà, c'est ça comme question qu'on se posait. Maintenant, on se disait derrière, 2 milliards, mais c'est pas possible, 2 milliards, il va y avoir des nouveautés ailleurs dans Parkway Disney Studios. Ce qu'on a eu, c'est un fucking flat ride réponse. C'est le seul truc en plus. 2 milliards, ça veut dire qu'il y aura forcément quelque chose au parc Disneyland pour un peu donner le change. Bah, et filard magique. Non, non, ta grand-mère. Non, pas d'ailleurs, ça, on arrête le débat, on l'a déjà eu. non, mais... Dites dans le chat si vous voulez le rematch Filard Magique, Curieur vs Nagla. Ça serait pas mal pour un prochain Labelle Adhéron. Non, mais en plus, je sais pas. Pardon, hein, mais la dernière fois qu'il y a eu une attraction créée exclusivement pour Disneyland Paris, vous vous souvenez ce que c'était l'attraction? Ratatouille. Tu vois, avoir Rise of the Resistance... Je suis d'accord avec toi que... Avoir la certitude qu'un truc qui fonctionne très très bien va être... Et c'est mon argument principal pour quand tu dis c'est facile de faire le Roi Lion, je suis pas d'accord du tout, notamment pour un Ratatouille. Oui, d'accord, mais je sais pas si c'est une bonne nouvelle de le faire. Ah non, je dis pas que c'est une bonne nouvelle. Tu sais ce qui me hyperait vachement plus que tout ça? S'ils se disaient là d'un coup, vous savez quoi, le troisième land, on met en pause, on refait un peu la partie Toon qui est un peu dégueulasse à droite et on met Mickey and Minnie Runaway Railway là-dedans. Et là, genre. Tu m'annonces ce truc-là et tu dis
Après Frozen, c'est ce truc-là qu'on fait. Et le troisième land, on va voir, on va prendre le temps, etc. Je serais limite plus hypé. Ouais. Après, le problème, c'est que tu peux... Enfin, laisser un lag vide, c'est compliqué aussi, quoi. Un peu, certes. Mais oh, Mickey et Minnie, on sait tous qu'il devait être dans lac promenade et que c'est... Enfin, il n'aurait pas dû y avoir de débat, c'est l'évidence, en fait. Eh oui. L'évidence de trouver un moyen de caser cette attraction-là. Alors après, peut-être que c'est compliqué niveau plage, je m'en fous, il se débrouille. Mais il fallait un truc comme ça, il fallait un... Il faut un point d'ancrage, en fait, à cette zone principale. Tu peux pas avoir un Main Street qui fait les deux tiers du parc, quoi. À un moment, c'est pas possible. Ça leur aurait laissé le temps de se rendre compte que Star Wars, il y avait des gens qui regardent. Bref. Et ce qui aurait été encore moins con, ça aurait été de mettre Mickey et Runaway, machin, là, autour du lac tout court, en fait. Oui, aussi. Et de trouver un moyen pété, mais on s'en bat les couilles. Après, non, mais c'est en face ça, du restaurant, c'est aussi. En t'as face du restaurant, un truc comme ça. De... Et t'as un petit théâtre en face avec Mickey et Minnie, et puis voilà. Ou sur une partie moteur-action. Oui, ça aurait été totalement possible. Et ça, autre sujet aussi, tiens. On n'est pas d'accord qu'on prendrait tous au lieu de ce projet, à Discovery Land de motocoaster Star Wars éventuel qui n'arrivera pas, on est d'accord qu'on prendrait tous le ride Avengers à la place de Motor Action. Donner un point final au campus. Totalement, c'est évident. Je demande un projet Marvel plutôt que ce projet Star Wars. C'est fou. Mais oui. Il y a des gars qui nous demandent, est-ce que ça vous hype, vous, d'avoir des attractions copier-coller des US? Plus aucun intérêt à aller visiter les autres parcs, du coup. En vrai, tout simplement, je ne sais pas si j'aurai un jour les moyens d'aller en Floride. Ça, bon. Et même si tu as les moyens, tu n'auras certainement pas les moyens de la faire, de la refaire, de la refaire, etc. Dans tous les cas, en fait, tu as toujours aussi un copier-coller US ou un copier-coller même de Tokyo, alors moins de Hong Kong et puis de Shanghai, mais dans tous les cas, en fait, tu auras un copier. Même Phantom Manor, qui est toute une attraction qui est vraiment géniale, c'est un copier-coller d'Anton Mansion avec un petit peu de changement. En fait, t'as un copier-coller. Il faut mieux avoir plus d'attractions que peu d'exclus. Et quand bien même, ça, c'est une vision très réductrice. C'est une vision où tu regardes que les nouveautés qu'il y a dans les parcs US. Si tu vas en Floride et que quand bien même t'as Galaxy's Edge, Pandora et je sais pas ce que tu veux, Cosmic Rewind, même le Vaiana ou Cosmic Rewind, tu vois, tu mets tout ça en France, je veux quand même aller aux US parce que je veux quand même faire Expédition Everest, je veux quand même faire tout Animal Kingdom de manière générale parce qu'on n'aura jamais rien de ce style là, je veux quand même faire Test Track, je veux quand même faire Mission Space, je veux quand même faire Mickey et Minnie, je veux quand même faire leur Toy Story Land, même si je m'en fous un peu, je veux quand même faire ça. Non, là, Filar Magique. Sur la Floride. Je veux quand même faire Splash Mountain Tiana, je veux quand même faire le Blanche-Neige et les Sept Nains de en coaster. Je veux quand même faire la Petite Sirène. En fait, tu as une infinité d'attractions que tu voudras faire en Floride et en Californie. En Californie, c'est même pire parce qu'en Californie, tu as un héritage de Maboule. Tu as le Dark Ride Alice, tu as le Dark Ride Mr. Todd, tu as toutes ces attractions-là, en fait. Tu as aussi les bouées, tu as aussi les trucs comme ça. Enfin, tu as une richesse de parc qui est gigantesque là-bas. Que tu n'auras jamais, en fait. Et chaque parc est différent en tant que tel. Et même si tu avais les mêmes attractions dans les deux parcs, eh ben, ce serait quand même intéressant. Pour reprendre ce que dit Goodcar, qu'est-ce qui empêche de mettre, par exemple, Expédition Everest, qui se situe donc en Asie, à Adventureland, près de Indiana Jones, par exemple. Ah oui, un Américain qui débarque à Disneyland Paris, la plupart des attractions, il les connaît déjà, mais il découvre un parc qui est magnifique. Et il est heureux. Ouais. Et je l'ai vécu cet été avec des Américains qui ont trouvé ça bien plus impressionnant que la Floride, qui avait fait la Floride et puis qui ont trouvé le Disneyland Park bien plus beau et bien plus impressionnant sur certains points que le Magic Kingdom en Floride. Le seul point de comparaison qu'ils avaient eu, et j'ai trouvé ça un peu ridicule, c'est qu'ils ont comparé en fait Toy Story Mania, Buzz Lightyear à Toy Story Mania. C'est le seul point de comparaison. Il est pas au Magic Kingdom en plus, donc c'est. En plus. Donc la meuf, en fait, a loupé son machin. De toute façon, on est sur les exclus, on est perdu à chaque fois. On n'a pas le. Parce qu'on aura, on bénéficiera pas de la même R&D. Enfin, c'est. Et au final, en fait. C'est pas fiable. Enfin, t'as ce côté frustrant, en fait, où on est typiquement dans un cas à la Starbucks, tu vois, où en gros, c'est une filiale française qui va financer un truc. Alors peut-être qu'on l'aura pour nous quelques années, mais au bout d'un moment, ça ira aux US pour une bouchée de pain, un voyage à Tatooine à Epcot. Pourquoi ?
ils ont fait Ratatouille à Epcot parce que ça leur coûtait probablement pas si cher que ça, que c'était une bonne nouveauté à foutre dans leur quartier français. Pourquoi les Américains ne gueulent pas sur Ratatouille? Parce qu'ils s'en foutent. Parce qu'il y a Ratatouille qui est là, ils vont le faire de temps en temps. Oh, cool. Et c'est tout. Nous, on est en chien sur Ratatouille parce que c'est notre dernière nouveauté depuis 10 piges. Et que même nous maintenant, en tant que fan, en tant que passeport annuel, et peut-être même des gens qui viennent peut-être tous les deux ans à Disneyland Paris, et ben au final ils se disent Ratatouille en fait c'est plus obligatoire. Ils ont peut-être plus envie de faire Ratatouille. Et au final la preuve, maintenant Ratatouille en une demi-heure, samedi il y avait quand même un petit peu de monde sur les parcs, tu pouvais faire l'attraction en une demi-heure. Ah putain. Oui, ouais. Avec web, ça m'étonne pas. Que... Et encore une demi-heure, ouais. N'oubliez pas une demi-heure parce qu'il y a les premiers access qui bloquent un petit peu la file. Ça. Non, mais franchement, faut relativiser. Et tu vois, enfin, imagine juste Disney California Adventure, tu vois, qui va avoir sa zone San Francisco, qui va avoir son Pixar Pier avec son coaster en bois, tout ça. Enfin, tout ça, c'est des trucs qui seront jamais reproduits parce que c'est trop spécifique, c'est trop dans un univers et dans un délire. Tu pourras pas le prendre tel quel. Tu parles de spécificité. Malheureusement, les Walt Disney Studios, ça c'est malgré l'extension, ça sera pas spécifique. Je suis d'accord. On aura un lac avec des bâtiments plutôt génériques, tels qu'on peut les trouver dans n'importe quel parc régional en France. Bah, en fait, alors il y a deux éléments. Le premier, c'est le Roi Lion, justement, serait spécifique. Pour l'instant. Parce que. Ouais, mais tu vois, s'ils font Vaiana Animal Kingdom, pourquoi ils iraient foutre le Roi Lion alors que c'est le même principe, tu vois, je sais pas. Alors, sûr. Moi, quand tu me parles de spécificité, j'imagine vraiment un truc avec un point commun, un peu comme par exemple Animal Kingdom, tu vois, Vaiana Kingdom, c'est bien plus logique que si tu foutais Vaiana à Disney World Studios. Oui, mais en fait, la spécificité du parc Walt Disney Studios, ça va être d'être une espèce de best-of, en fait. C'est un fourre-tout. En fait, le nouveau nom, c'est ce qu'on disait sur le Discord. En fait, le prochain nom de Walt Disney Studios, ça sera Fourtoutland. C'est tiens, en fait, une licence qui marche et puis tu fous là-bas. T'auras une bouchée d'un peu tout chez Disney. Et puis que t'as le Disneyland Park en train de mourir. C'est le buffet à volonté des parcs, quoi. Ouais, pas très à volonté, du coup, mais oui. Ouais, c'est le buffet à discrétion. Ah non, il a fermé mais la voilà. Au final, wait and see dans 6 mois, peut-être les annonces, et puis dans un an, les premiers trucs de travaux qui vont tomber. Et puis, on verra déjà dans 2 ans comment ça se passera avec Frozen, et puis dans 4 ans, ce que ça va être avec le troisième Londres. Alors, TDK, tu fais un gros compte ton camp. Tu dis que tu préfères l'idée du campus qui est différent dans chaque parc, alors que le campus, c'est justement, enfin, c'est vraiment la grosse blague. C'est qu'ils nous ont vendu ce concept-là qui, en réalité, ne se matérialise en rien dans le campus. Il y a le seul truc qui se matérialise, c'est des fois, ta Friday, elle dit « Ah, regardez, là-bas, il y a des trucs. » C'est le seul truc. Et tu as même cette grosse erreur avec la scène du collectionneur, qui est donc une scène de Mission Breakout dans le web de Californie, et qui est mise en France alors qu'elle n'a aucun sens là-bas. En fait, tu as un copier-coller. Le campus est une blague et une moquerie à ce niveau-là. Ouais, c'est juste une justification. L'idée, elle est bien, mais le problème, c'est que l'idée, c'était de la fumisterie, en fait. En fait, l'idée, elle est bien, comme par exemple, l'idée à l'époque de l'Explorer Club était géniale. Tu vois, l'idée, c'est la même chose que quand Max, il me vendait des « Non, mais t'inquiète, nous, on nous a dit pendant notre visite que Friday, elle allait interagir avec le Land. » Et je regardais Max, ça, je vous jure, la discussion a duré comme ça bien 10 minutes. Mais interagir comment? Non, mais il va y avoir des trucs, il va se passer des trucs sur Friday, ouais. Ça va interagir. Ouais, mais comment, pire, Maxime? Mais le pire, c'est que moi, vraiment, la fois, c'est vrai qu'au final, la fois où j'ai fait ma visite, et ben, en fait, les trucs, moi, les différentes interactions, je suis resté une heure dans le Land, dont quelques moments, on était dehors. On n'est pas resté une heure dehors. Et tantôt, on est rentré dans les bâtiments. Mais c'est vrai qu'au final, ben, en fait, le peu d'interactions que moi, j'ai vu, j'ai trouvé ça cool, parce que oui, ça interagissait. Mais en fait, ben, c'est les mêmes interactions que l'on voit actuellement, c'est-à-dire le bidule, qu'on s'appelle. Le vaisseau qui s'allume. Le vaisseau qui s'allume. Donc, en fait, le bidule. Il a appelé le Quinjet en bidule, sans culé. Bravo. Non mais enfin voilà, enfin c'est le gros X-Wing là. C'est de la fumisterie, toutes ces choses là. C'est vraiment de la fumisterie, c'est du marketing, c'est du gimmick, c'est comme je vous fous. Après, heureusement, c'est leur métier. Des drones dans le ciel qui font 30 et je vous donne l'impression que c'est un nouveau spectacle, alors que c'est un précédent. Salut Marine. 30. En fait, et
C'est de la filmisterie. C'est comme le show Marvel où tu sens que bon, bah voilà, on a bricolé un truc vite fait. On a demandé à notre prestataire de faire un truc stylé. Des fois ça marche, mais quand ça marche pas, bah du coup ça ressemble à rien. Et du coup tout repose en fait sur notre prestataire. Et voilà. Le dernier point de la rumeur, je t'ai peut-être vite fait, c'est peut-être le moins important, mais c'est 21h, cool, j'ai faim. Oui, ben c'est pour ça. Et moi j'ai ma pizza qui arrive. C'est le show nocturne. Le show nocturne, donc le show nocturne qui, on rappelle, à un projet nom de code Firefly, donc Luciole, qui, bon, bah, Luciole, on a vite compris, en gros... Ah oui, c'est dans The Last of Us. Ce qui se dit, c'est que... tu spoil. En gros, donc, le spectacle se baserait principalement sur, effectivement, les barges que Disneyland Paris a rachetées de Fantasmic de Tokyo. C'est pas les barges. Max comme ça. On dit les détenteurs de c'est vraiment pas gentil. On dit les gens qui ont de la calvitie et qui font croire que c'est une crête. non. Ah mais j'assume, moi ça creuse. J'ai honte. Merci Léa pour ton sub. Ils auraient repris les. Ah merci Léa. Ils auraient voilà repris un bit. Ah attends, bouge pas, je trouve pas ma bite. Léa, je suis pas du tout en train de manger des chips crevettes, t'inquiète. Je vais avoir des problèmes. Et donc, les barges de Fantasmic à Tokyo, qui a donc arrêté, parce que maintenant, c'est Believe Sea of Dreams, notamment. 18 euros. Non, mais Maxime, putain. Ben, après, depuis tout à l'heure, vous me coupez la parole. Vous me coupez la parole, je n'ai plus rien à foutre. Je fais une phrase, je ne peux pas la finir. C'est quand même moi aussi, je vais vous couper la parole. J'en suis sujet-verbe-complément, je suis à sujet, là. Les barges. Moi aussi, je vais vous couper la parole. Merci, Goudkar, pour les bits. Ça fait 20 minutes que je dis les barges. Alors, les barges. Donc, ils ont pris les barges. C'est quoi le prochain land, alors? C'est quoi le prochain land? Et donc, ils les ont prises et ils en ont fait, a priori, un espèce de train. Donc, ils ont essayé, en gros, de les assembler. Ça fait un espèce de train aquatique. Tous en train. Qui va être, donc, la plateforme principale de ce show. Ça rejoint une rumeur dont je ne sais plus si on en avait parlé, mais qu'on avait lu il y a quelques mois, où il disait qu'on n'aurait pas plusieurs barges, mais une grande barge. Donc, genre, en fait, ce sera une barge... Voilà. Et donc, ce spectacle mélangerait donc laser, projection, drone et tout le tout-team. A priori, vraiment, ce qui nous est vendu, c'est un spectacle comme Disney n'en a jamais fait. Et quand je dis Disney, c'est Disney, c'est pas Disneyland Paris. Bon. On va raison garder, faut attendre de voir, mais il disait ça aussi de. Ça rejoint ce qu'on a remarqué, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé leur drone pour faire une petite démo technique avec le D-Light, pour faire une démo technique un peu plus impressionnante avec le show de la Tote, la Power of the Night. Et puis, bah, ils savent faire avec Dreams, avec Illu, ils ont montré qu'ils étaient capables de faire des beaux shows nocturnes. Donc en vrai. Pour le coup, tout est en place pour que ce soit vrai. Si en plus ils utilisent des barges qui sont c'est ce qu'ils disaient aussi sur DCP, et ça c'est la bonne nouvelle française, c'est qu'au final, l'entreprise qui fournit les drones vendrait ses produits, ses prestations aussi aux États-Unis. Bah, ils ont raison. Ça c'est cool. Vous voyez, un point positif. Et ben, c'est comme la France qui est désormais hébergée par Rocha. Ouais. Et on ramène des capitaux en France. Même... récupérer des vieux chars de d'autres parcs et puis les transformer pour en faire des trucs stylés, c'est des trucs qu'on sait faire. Donc non, vraiment, c'est toutes les compétences françaises. On n'a pas c'est de problème, on a des idées. Let's go quoi. Donc ça, pour le coup, j'ai assez confiance. L'autre info sur cette espèce de train aquatique là, c'est que en gros les barges ont été modifiées pour intégrer des écrans à LED et des trucs comme ça, ce qui peut rappeler Harmonious et Believe Sea of Dreams, je pense. Donc intéressant aussi à voir. Mais en gros. Alors, c'est toujours des bizarreries avec Disneyland Paris, c'est que tu sens qu'ils mettent l'ambition, mais tu sais pas si c'est à cet endroit-là que toi tu l'aurais mise. Tu te dis, je peux me tromper, hein, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi, qu'ils nous auraient mis un World of Color, on aurait été très contents. Oui. Non. Oui. Je sais pas, je l'ai jamais vu en fait. J'en sais rien. Été... A priori, tous les retours sont incroyables. Donc, il paraît que c'est génial. Ça aurait été cool, hein. Mais ce qu'ils ont rendu, c'est encore mieux. Nautilus, il y a peu de chances qu'on ait un show d'urne sur le lac. Hein. A priori, ça parle pas de ça du tout. Est-ce qu'une parade, ce serait cool? Bref, mais ça, c'est encore un autre sujet. Oula. Est-ce qu'on pourrait avoir une parade aussi? On sait jamais. Oula, ça serait bien, mais bon. Ça, c'est Horizon 40 ans, je pense. Voilà, donc ça, pour le coup, je pense que c'est le point de la rumeur qui est assez positif. Après, on s'en doutait. On espère que c'est pour 2025, cela dit.
J'espère qu'ils vont pas nous faire la douille de nous mettre pour les 35 ans. Ça faudrait que le lac soit prêt, rempli pour qu'ils puissent commencer à le préparer, ce show. Tu sens le Walt Disney Studios Forever façon Epcot Forever où ils vont lui mettre 5 drones en l'air qui font un château d'oreilles et puis. Et ils vont la musique c'est magique en disant et t'as Max qui va dire oh, c'est génial, c'est incroyable. Et voilà. Autant être positif. Hein. Et est-ce qu'on peut pas finir sur le gros point positif? Autant être positif. Faut toujours espérer les choses. Nagla, on est d'accord. Vas-y, que le gros point positif de la rumeur, c'est le festival Food and Wine. Tu veux dire les chalets qu'on a déjà et qui seront plus chers? Ouais, ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment le point qui me déprime le plus avec le mec qui précise dans sa rumeur. Non, parce que le rendez-vous gourmand, ça cartonne. Mais oui, le rendez-vous gourmand, ça cartonne. Il y a deux endroits où on peut bouffer dans c'est ton cher. Parc et tout est cher. Il n'y a rien. C'est cher, donc ça cartonne. Hein. C'est sûr, on fait du bénéf. Hein. Ouais. Enfin. Disneyland Paris, ils ont inventé les plats trop chers à 14 balles et les mini portions à 8 euros que tu te dis en vrai, ça va, c'est 8 euros. Oui. T'as deux bouchées. C'est le prix d'un menu Efteling. Rémi sans famille, quand il revient de Paris, que tous ces animaux ils crèvent dans le froid. Et ben c'est ça qu'on vous donne à manger. Tu c'est autant. Rémi sans famille. Ouais. Pauvre monsieur Vitalis, le traumatisme il est là. Pourquoi il lui arrive quoi Vitalis? J'ai pas vu la série. T'inquiète. Il arrive sous-clé. Un point à la semaine. Attends. Il y a mes pizzas qui arrivent. Pas ton point n'importe où. Il y a mes pizzas qui arrivent. Vite. Et ben mercredi soir, il y a Curien et Valar qui vont, j'espère, en chier tout le temps que moi. C'est plutôt cet après-midi. Plutôt l'après-midi. Oui, il est coupé ton planning. Tu peux pas montrer l'interté. On a des jolis max, logos. Hein. C'est pas pour les couper à moitié. Non, parce que regarde en fait, si je ferme la fenêtre, et ben en fait on voit rien. Donc je préfère mettre en grand. Comme ça, les gens ils peuvent voir. C'est cool. Ouais, mais ok. Ouais, ben. Bah... Ok. On va pas demander à Max de gérer. Mais vous savez, la prochaine fois, je vous laisserai héberger comme ça, vous me casserez moins les couilles. Et là, vous me cassez les couilles en fait. c'est cadeau. Donc mercredi après-midi, il y a Valar et Curien qui vont faire un live sur la phase 4, les séries. En fait, la continuité du live de la semaine dernière. Il est possible qu'on déborde sur le sujet et qu'on soit pas que sur du Marvel. Il y a jeudi matin le podcast sur South Park, le film, avec un invité, non, Nagla? Oui, c'est un invité, c'est quelqu'un qui a payé dans la boutique, on lui dit merci, il a acheté, et en plus c'est quelqu'un de génial parce qu'il vient, il achète dans la boutique pour dire je veux faire ce film avec vous, on lui dit d'accord, il est venu en disant vas-y, vous savez quoi, je vous fais le contexte, je vous fais le futur, je vous fais les critiques, je vous amène des croissants. 10 euros, Marie. Stylé. Oh, vraiment, il est génial ce gars. Très stylé. Donc, non, très très bien. Et, donc, c'est les croissants de l'association alors Bien sûr, mais ils sont dans le ventre de l'association qui est actuellement. D'accord. Le film South Park est pour information les patronnes et les patrons, hein, bien entendu, patreon.folenier.com. Vous pourrez l'avoir dès ce soir, dès que ce live sera terminé, que je pourrai faire l'intro, que je pourrai l'intégrer et que je pourrai uploader. Et n'oubliez pas le dernier point vendredi soir, avis de tempête. Et puis jeudi soir, avec Alex, on fait le live sur la planète Trésor. Et voilà. Ouais. C'est tout ce que tu as à dire sur le sujet. Vends-le un peu ton live. Oh, c'est... Ouais. Voilà. C'est la planète Trésor. Oh, j'ai trop envie d'y être. Et vous savez qui est-ce qui a voulu faire ce live? C'est David, parce que David a eu l'idée. C'est les Max, tu nous fais un petit coup de la pédalité? Non, c'est mon pizza qui arrive. Oui, bonsoir. Au-delà de nos différences. Ouais, pas de soucis. Bah, j'arrive, je le sens. Pas de soucis. Et voilà. Clipez ça, hein. Et vous laissez pas ça se perdre. Hein. Vous avez tous assisté ce live. Ça a cartonné le live. Merci, vous avez été très nombreux. Ouais, c'est super cool. Vous assistez en live à la fin du label, l'explosion. Et je pense que Max va nous péter la gueule d'ici la fin de la semaine. Merci à tous. J'ai très très faim. Allez, salut. Et Max, t'arraches pas les cheveux. Salut. J'en ai plus. Salut. Aïe, je me suis percé le doigt. Tchuss.